Si, et salut à tous, j'espère que vous êtes avec nous ce soir dans cette soirée de confinement. Je vous retrouve pour une conférence plutôt orientée tech avec un ami et développeur Romuald Prieul qui agira et interviendra sur un sujet qui le tient à cœur, la performance. Est-ce que c'est green? Est-ce que ce n'est pas green? Il nous expliquera, nous montrera ce soir. Mais trêve de bavardage, je vous propose de vous le présenter directement. Salut Romuald, merci de prendre un peu de temps avec nous ce soir. Je te propose qu'on fasse un premier petit test micro, voir Ouais. si le chat est présent et si tout est fonctionnel pour que nous puissions commencer ce soir. Comment vas-tu? Bien toi, merci Antoine de m'avoir invité là-dessus et content d'être présent pour parler éco-conception, sobriété et performance informatique. Donc j'inviterai le chat à me signaler s'il y a le moindre souci. On fera ce qu'il faut pour corriger, pour rétablir du son en temps réel. Voilà, c'est le troisième live que nous faisons. J'espère que cela se passera bien. J'ai pas de retour particulier du chat, donc je te propose qu'on commence, Romuald. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se connaît. De plus ou moins loin, on n'a pas le temps de se voir autant qu'on le souhaiterait. Voilà. Non. Donc, Faudra se payer une bière après le confinement. ouais, je pense qu'on aura l'occasion d'aller fêter ça, la sortie un peu de tout le monde, le plus rapidement possible. Je te propose, voilà, de passer un peu au sujet qui nous intéresse. Je sais que tu as une présentation pour nous. Est-ce que tu nous la partagerais? Ouais. Je vais partager direct. Super. Bon. Je pense que tout est bon de notre côté. Je n'hésiterai pas à faire des allers-retours pour faire profiter en grand écran. Si vous voulez qu'on revienne sur des choses, le chat, n'hésitez pas. Je ferai l'interface avec Romuald pour poser vos questions, revenir sur des points et tout ce qui s'ensuit. Ouais, faut payer. Donc la performance n'est pas green, vaste sujet, mais avant qu'on attaque dedans, je sais que tu as un onglet un peu présentation, un peu plus académique. Est-ce qu'on commencerait pas par ça? Si, enfin, je vais juste présenter l'image de fond, parce que l'image de fond, c'est une image qui est très en relation avec le sujet, au fait, et on dirait pas comme ça. J'aime bien illustrer la performance n'est pas green par le Rafale, parce que le Rafale, c'est justement un des avions les plus performants qu'on a actuellement en France. C'est un avion qui arrive à aller jusqu'à 1,8, donc 2220 km/h. Ça fait énorme, il est vraiment super performant. Il couvre une zone qui est énorme, plus de 2000 km². Ça fait vraiment de lui un avion très performant. Par contre, il a une grosse problématique, cet avion. C'est qu'au fait, ben, le petit truc qu'on voit en haut, je sais pas si on voit ma souris à l'écran, c'est ce qui lui permet de récupérer du kérosène en plein vol, parce que justement, il est ultra énergivore. Un Rafale, c'est ultra performant, mais par contre, c'est pas vraiment green, parce qu'au fait, en moyenne, il a des réservoirs de 8000 litres de kérosène et il consomme du 133 litres minute. Donc, un Rafale, c'est performant, mais c'est pas green. Et c'est à peu près de ça que va parler la conférence. Mais comme disait Antoine, pour me présenter, ben moi je m'appelle Romuald Prieul. Je suis développeur actuellement au sein d'une ESN qui s'appelle PIX, donc une ESN lyonnaise. On est aussi présent à Paris, à Reims, à Montpellier. Et du coup tout va bien là-dessus. C'est du dev, quoi. Je suis aussi référent du collectif Conception numérique responsable qui appartient à greenIT.fr et je fais pas mal de conférences justement sur tout ce qui est sobriété numérique, tout ce qui est numérique responsable et éco-conception en étant représentant de ces deux collectifs-là. Qu'est-ce que fait un peu ce collectif, plus précisément? Le collectif, c'est un collectif de plusieurs personnes, que ce soit des entités entreprises ou des entités personnelles, qui poussent justement à la conception numérique responsable. Donc c'est juste de la conception éco-conception. Donc par exemple, on a écrit, on est contributeur d'un bouquin qui s'appelle Les 115 bonnes pratiques de l'éco-conception web, qui permet de mettre justement en valeur, ben, je crois que je l'ai en plus, je sais pas si ça se voit à la caméra. Ouais, C'est un bouquin. je pense que ça se voit bien. Éco-conception, les 100, éco-conception web, les Ouais, 115, je sais pas, bonne on pratique.
on Et au fait, c'est appelle. juste un bouquin avec des pratiques qui permet justement de voir, on va dire, l'impact qu'a réellement le web à travers la conception de nos services numériques. GreenIT.fr est un peu plus large justement, c'est sur le numérique responsable et non pas que la conception, pour justement parler de tous les problèmes qu'on a dans le numérique. Le numérique, il n'y a pas que des problèmes écologiques. On a des problèmes éthiques, on a des problèmes d'accessibilité, on a des problèmes d'inclusion. C'est pour ça qu'on tend à rendre le numérique beaucoup plus responsable qu'il ne l'est actuellement. D'accord, donc beaucoup d'activités quand même. Et puis en plus, je sais que tu Ouais. rentres pas dans les détails de tous tes projets perso, Non. des clients que tu traites avec Pix. Tu es un peu un boulimique de ce que je te connais. Donc voilà, ça sera une présentation succincte, mais je pense qu'il permettra de poser un peu le contexte. Boulimique de travail, évidemment, hein. Passionné, si j'ose dire. Un peu. Donc, c'est bon pour la présentation? Ouais, je pense qu'on a, on a une belle introduction de qui tu es. Je pense que on comprend que tu portes un peu des sujets au niveau de la conception verte et voilà de tout ce que, bah, comme le nom du collectif Conception numérique responsable peut impacter. Je sais que tu as une belle presse pour nous. Est-ce qu'on la démarrerait pas? C'est une bonne idée. Autant y Allez, c'est aller. parti. En plus, Du coup, on est 10 là sur le chat. Allons-y. La parole ouais. est à toi. Ok. On va commencer par parler des services numériques. Au fait, le truc, c'est que l'éco-conception, tout ça, ça permet, on va dire, de démontrer que nos services numériques polluent. Mais un service numérique, au fait, nos services numériques, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très large. Dans nos services numériques, évidemment, on peut parler de la blockchain. La blockchain, c'est vraiment une invention, pardon, qui est phénoménale, qui permet vraiment d'avoir une sécurité de transfert d'un point A à un point B, et c'est ce qu'on n'avait pas avant avec le web. C'est vraiment parfait. Par contre, ce qu'il faut comprendre avec la blockchain, c'est que c'est aussi très énergivore. Si vous voulez sur le site Digiconomist, non, j'ai tous les liens dans les slides, je vous les partagerai après. Une transaction Bitcoin, donc un Bitcoin, c'est assez, c'est pas anodin et c'est assez énorme parce qu'au fait, ça équivaudrait en bilan carbone à 300 000 transactions Visa, ce qui est vraiment énorme. Et le Bitcoin, juste le Bitcoin, sans compter les autres crypto-monnaies qui existent, consommerait environ 0,3% de l'électricité produite mondialement. Sachant que le problème avec l'électricité mondiale, c'est qu'au fait, on n'a pas la chance d'être en France où on a beaucoup de nucléaire et que tout est bas carbone. Généralement, c'est du charbon et ça pollue astronomiquement. Bien que le blockchain s'améliore, enfin la blockchain, elle s'améliore parce qu'il y a des projets qui prennent en compte l'impact économique, enfin l'impact économique et écologique, vu qu'au fait, ils se sont rendus compte que certaines crypto-monnaies sont vraiment, vraiment, vraiment pas vertes. Donc il y a l'Ethereum, il y a l'IOTA, il y a l'Nera, le Grinium qui sont apparus et qui apparaissent et qui essayent de rendre les crypto-monnaies plus sobre. Dans les services numériques aussi, on a l'IA, l'intelligence artificielle. Pour voir ça, ce qui est marrant à savoir, c'est qu'au fait, Lisa Doll, c'était la première personne, un maître du Go, donc un jeu stratégique japonais, qui a été battu par AlphaGo, donc qui appartenait à DeepMind, de Google. Qui était une des premières, on va dire, une des intelligences artificielles actuellement les plus cotées du marché. AlphaGo, au fait, c'est 4 TPU, 64 GPU, 19 CPU, ça consomme 2000 watts à chaque fois que ça tourne, et ça coûte environ 25 millions de dollars. Et AlphaGo, ce qu'il fait, c'est qu'il ne joue qu'au Go. Donc une IA qui a été codée, elle ne fait que ce qu'on lui a demandé de faire. Donc elle va penser qu'à tous les mouvements du Go possibles, mais elle va jouer qu'au Go. Lisa Doll, lui, quand il était en train d'affronter AlphaGo, mais en fait, il pensait peut-être au café qu'il était en train de boire, il pensait peut-être au coup qu'il allait avoir ou y avoir après, il pensait peut-être à sa femme, à ses enfants et tout le reste, et un cerveau humain, ça consomme quand même que 20 watts. Il faut voir qu'en fait, il y a vraiment des. Enfin, l'intelligence artificielle, c'est bien, mais c'est aussi énormément énergivore. C'est super énergivore, mais par contre, les impacts énergivores qu'on a nous permettent de développer des nouveaux types de processeurs. Je vous ai parlé du TPU. TPU, c'est un Tensor Process Unit. C'est pas comme un CPU pour ce qu'on a actuellement, ben, les CPU, GPU dans nos PC traditionnellement. Un Tensor, justement, c'est adapté à l'intelligence artificielle. C'est pour ça que sur la courbe que vous voyez, ben, en fait, l'intelligence artificielle AlphaGo consomme énergétiquement de moins en moins d'énergie pour une qualité similaire.
Ouais, Donc, c'est c'est un encore très peu ce qu'il y énergivore. a dans les nouvelles cartes 3D là. Moi je sais que j'ai une carte C'est 3D un ça. peu comme ça là qui est en train d'arriver. Je range mon frein là, j'ai envie de l'utiliser avec ces TensorFlow là. Ouais, non, mais ça s'améliore. Mais au fait, c'est tellement énergivore monstrueusement qu'au fait, ils sont obligés de sortir des nouveaux trucs pour pouvoir combler les défaillances écologiques qu'il y a. Donc ça, on va dire, c'est un des justes milieux qu'on peut avoir avec ça. Mais c'est vrai que ça s'améliore et c'est plutôt cool. Dans nos terminaux, au fait, il y a aussi le service numérique. Ben, il y a évidemment les terminaux. Et les terminaux, il y en a de plus en plus. Et il y a de plus en plus de terminaux connectés. On parle de l'Internet, des objets. L'IoT, en fait, y en a partout et c'est en train d'exploser. Le truc, c'est qu'en fait, on a les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les consoles de jeux, les télévisions connectées, les montres connectées, les frigos connectés, il y a même des chaussettes connectées. Je crois qu'ils ont testé un préservatif connecté. Il y a vraiment tout qui se connecte. C'est vraiment affreux. Il y a vraiment de plus en plus d'IoT et il faut des services numériques qui gèrent, on va dire, toutes les données qui sont récupérées par ces services connectés. Il y a un sondage que j'aime beaucoup qui est celui d'Affignon justement qui disait qu'au fait une personne normale changeait enfin deux téléphones à peu près tous les 2 ans. Donc vous voyez que le sondage était à 62% tous les 2 ans. 17% de personnes sont censées changer de téléphone toutes les années, ce qui est monstrueux pour ce que ça représente. Mais je connaissais pas très bien Affignon, donc je suis allé sur Phone Android, qui est un peu plus connu. Et au fait, le sondage qu'il y avait avec 2470 votants était à peu près pareil. Il y a plusieurs personnes, il y a 6% de la population qui change quand même plusieurs fois de téléphone, ben, plus d'une fois par an, quoi. Ce qui est vraiment monstrueux. Et c'est à peu près pareil, 17% tous les ans et 49% tous les 2 ans. Et très rares sont ceux qui le gardent 3 ans ou plus. Et ces terminaux sont réellement un problème et on verra par la suite pourquoi c'est un problème. Ensuite, évidemment, on a le web. Et le web, c'est ce qui nous intéresse plus en détail aujourd'hui, parce que le web devient vraiment de plus en plus lourd. Il y a un article de The Wire qui était enfin, qui est toujours un magazine américain, qui a présenté The Web is Doomed, donc le web est condamné. L'article est sorti en 2016, je crois, parce que justement, le poids moyen d'une page Internet en 2016 était à 2,3 mégas. Il faut savoir que 2,3 mégas, c'était le poids total du jeu Doom qui était sorti en 93. Donc, en 2016, le poids moyen d'une page internet était plus lourd qu'un jeu total de 93. Et c'est un peu catastrophique C'est l'effet confinement, ça. Ouais, c'est ça. Et ça va être encore, enfin, c'est de pire en pire et on va bientôt atteindre les 4 mégas par page et c'est monstrueux, quoi. C'est qu'on a plus de demandes passantes, mais en fait, on comble cette demande passante avec des sites qui sont moins optimisés, plus lourds et beaucoup moins sobres que ce qu'il devrait y avoir. Il faut savoir aussi qu'en 2017, c'était la première fois qu'en fait, le trafic était vraiment beaucoup plus sur mobile que sur ordinateur. C'est vrai que même Google a dit, mais en fait, la majorité de notre trafic maintenant est désormais sur mobile et le desktop passe en secondaire. Tout s'accélère, tout augmente, le nombre de requêtes qu'on a augmente, le nombre de requêtes et le nombre médian, que ce soit sur desktop ou sur mobile, augmente. On voit que tout augmente au fur et à mesure, alors qu'au fait, on a des ordinateurs qui sont de plus en plus puissants, on a des navigateurs Internet qui sont de plus en plus puissants et optimisés, des nouvelles versions, par exemple, de JavaScript, des nouvelles versions de CSS, HTML, qui permettent de faire vraiment plein de choses intéressantes et qui permettent d'optimiser tout ça, mais on l'utilise pas vraiment parce qu'en fait, tout s'alourdit. Et ça, c'est réellement un problème. Je vais vous présenter quelques outils justement pour pouvoir voir ça. On va aller. Brave, évidemment. Alors je vais faire un zoom sur ton écran, on va passer en full screen, hop, histoire de bien profiter de ce que tu nous montres. Ouais. Là, on est sur un navigateur Brave, du coup, enfin, je crois, oui, j'ai bien ouvert Brave. Et en fait, il y a plein d'outils qui nous permettent de voir, on va dire, tout ce que qu'on se. Si ça veut bien fonctionner. Voilà, ça met un peu de temps. On a le célèbre Contrôle Maj I ou Pomme Maj I pour les personnes qui sont sous Mac qui nous permettent d'accéder aux outils de développeurs. Ces outils de développeurs sont vraiment, vraiment bien pensés parce qu'en fait, ils incluent le nombre d'éléments. Donc, ça, c'est le code source de la page que vous pouvez voir en faisant un clic droit standard. Mais au fait, vous avez aussi la console, les sources et le network. Et le network nous permet de voir, on va dire, le poids total de la page qui a été chargée.
Si je rafraîchis ici, on voit que la page totale de Google ici, bon, en fait, elle n'est pas très très grosse. Elle est à 21. Bon, là, c'est augmenté parce que je pense que Google est en train de me connecter. Donc, il va récupérer mon profil, mes images et tout le reste. Mais en étant connecté, bon, si c'est un peu plus. On a transféré 2,2 mégas de données pour 43 requêtes, ce qui est quand même pas si léger que ça. Il faut savoir que en 69, si je dis pas de bêtises, quand on est allé sur la Lune, Apollo 12, ben, le logiciel qui avait embarqué d'Apollo 12 consommait 72 kilooctets de mémoire. 72 kilooctets, si je cherche à peu près ce qui s'en rapproche le plus, j'ai pas grand chose quoi. J'ai juste, on va dire, du JS, de Google Analytics, et encore c'est un truc qui fait pas énormément de lignes, qui fait 58 lignes. Comme quoi, à l'époque, avec un bout de JS, enfin, c'est un peu plus que 70, avec un bout de JS maintenant, ben, en fait, il y a 30 ans en arrière, on allait sur la Lune. C'est vraiment monstrueux. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que là, on voit le nombre de requêtes, on voit le poids total qui a été transféré et on voit le poids total qui a été dézippé. Donc ça, c'est le poids total qui est sur le navigateur, en quelque sorte. Les outils de dev, quand vous utilisez du Chromium, donc quand je dis Chromium, ben maintenant, c'est la dernière version de Edge ou c'est Brave ou évidemment Google Chrome, vous avez ce qu'on appelle les audits. L'audit, en fait, peut vous générer un type de rapport, donc performance PWA, donc les Progressive Web App, les Best Practices, accessibilité, SEO ou n'importe quoi. Vous pouvez faire des analyses qui vous permettent de voir la performance d'un site, donc juste en cliquant sur Generate Report, ils vont faire une analyse statique du site sur lequel vous êtes. Donc là, vous voyez qu'on est en train d'auditionner le site de Google et vous pondre directement un rapport dans le navigateur. Donc là, ça dépendra de l'iTunes. Il va faire pas mal de checks. Donc il check mobile, desktop, et il check normalement quand il y a de la connectivité ou pas. Il processe tranquillement. Et, c'est vrai que ça fournit pas mal d'infos qui sont intéressantes quand tu devs du web ou même quand tu es designer. Moi, je sais que je m'en sers pas mal de Lighthouse. Mmh. Je crois qu'il y en a d'autres aussi qui existent, qui peuvent faire un peu la même chose. Ouais, à l'époque, on utilisait... je vais faire le tour vite fait. Ce sera rapide. À l'époque, on utilisait... PageSpeed. PageSpeed, ouais. C'est à peu près pareil. Si on va sur un site internet, c'est... on va aller sur l'équipe pour voir. Analyze. C'est ce que Google mettait à disposition aux développeurs pour pouvoir tester statiquement une URL. Donc on rentrait l'URL, on cliquait sur Analyse. J'ai cliqué sur Analyse. T'es bloqué là, non? Ah oui, je suis bloqué là. What? Pourquoi je suis bloqué? Je pense que l'équipe, ils empêchent ça, non? Non? Bon, c'est l'effet démo. Donc t'inquiète bon, pas. Bon, c'est pas l'effet démo. Mais il y a PageSpeed qui existe, mais PageSpeed, justement, c'est l'ancienne version. Maintenant, on a une version qui s'appelle web.dev qui est passée sur Lighthouse. Google a fait évoluer ses scripts, ils sont passés sur Lighthouse. Et Lighthouse permet de faire exactement pareil, vous pouvez même vous connecter avec Lighthouse, saisir une URL, par exemple, et faire un audit. Et Lighthouse, c'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement avec Google, s'il veut bien se faire, mais là, il a l'air d'être un peu dans le pâté. Donc, on va attendre que la mesure se fasse sur Lighthouse. J'imagine qu'avec la vidéo et tous les flux qui surchargent justement notre connexion internet, il galère un peu, le pauvre. Ouais, c'est bizarre, c'est dommage que ça le fasse maintenant. Ah si, voilà. Du coup, ça c'est une analyse Lighthouse et c'est exactement ce que vous pouvez faire normalement en temps normal. C'est peut-être justement l'effet de mots qui génère mal le rapport sur Brave. Ce rapport-là, c'est un rapport que j'ai en ligne via web.dev qui est exactement le même rapport que je suis censé avoir ici sans passer justement par les serveurs de Google. T'as fait exprès de prendre pas ton dû site prendre là qui a un super score. Non, j'aurais pas dû prendre justement. Enfin, j'aurais vraiment pas dû prendre celui-ci parce que justement j'ai essayé de faire bien les choses donc je suis plutôt pas mauvais et le rapport il dit pas grand chose, ce qui est dommage. C'est plutôt intéressant de voir un rapport où il y a beaucoup plus de choses à dire. Le rapport, mais en fait, vous voyez que là, au fait, je suis à 99, 100, 100, 100, donc c'est plutôt pas mal, mais je pourrais encore être meilleur. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au fait, on voit toutes les indications qu'il faut pour améliorer son site, pour le rendre plus performant, pas plus green, hein, plus performant. Si on le fait, par exemple, avec un site un peu moins... l'équipe.fr...
tu es sur l'équipe. Il va me prendre un rapport qui est censé être un peu moins vert et on aura beaucoup plus d'informations. Et c'est ces informations qui sont intéressantes de savoir parce que ces informations nous permettent justement d'avoir accès à toutes les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place pour améliorer nos sites internet. Et ça, c'est bon à savoir. C'est un peu ce qui nous permet justement, sans trop faire de choses, d'améliorer le numérique. Hein. On n'est pas au même niveau là. Ouais, c'est pas trop les mêmes résultats, mais ils sont dessus. On va dire ça comme ça. D'accord. Et au fait, ce qui est intéressant, c'est quand on voit le report, quand on voit le rapport, mais en fait, vous voyez, on a le waterfall, enfin, on a tout ce qui, le WHR qui permet de voir la vidéo. On voit qu'au fait, il y a peut-être un rechargement entre les deux là qui s'est passé. Donc, on se demande ce qui se passe parce qu'au fait, le site se charge, il y a des images qui apparaissent. Par contre, ensuite, il y a une sorte de saut. Donc, ils rechargent ça, ils ont dû perdre en perte parce qu'ils doivent avoir un souci de JS ou un truc comme ça. Et ensuite, ils rechargent à peu près toutes les images. C'est super ce détail, et ça. Ça permet de voir. Non, c'est sympa comme détail. Il y a plein de trucs. Et rien que, tu vois, juste avec les images qu'on voit là, on permet de voir, en fait, il y a peut-être un souci qui se passe entre le site qui est très rapide ici, parce que mine de rien, je sais plus la durée qu'il y a, mais je crois que c'est 0,5, 1, 1,5 et en 2 secondes. En 2 secondes, le site est censé s'afficher. Sauf qu'ensuite, en fait, tu as presque 2 secondes qui se réaffichent et qui rechargent le site. Donc là, ouais, on voit qu'il y a peut-être un deux souci fois, de leur quoi. Côté et ils Ok. vont peut-être. C'est ça. Il y a peut-être un problème de framework JS ou quelque chose qui ne va pas. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'au fait, on a vraiment tout ce qui est en dessous. Donc on voit, par exemple, qu'il y a énormément de ressources qui sont bloquantes. Il y a énormément de CSS qui sont chargés. Et tous ces CSS, en fait, le CSS qui est bon à charger, c'est le CSS qu'il y a dans le viewport. Donc le viewport, c'est ce qu'on est en train de regarder. Quand on charge trop de CSS et qu'il est bloquant, en fait, ça pourrit les perfs du site. Et là, vous voyez qu'en fait, en supprimant tous les CSS bloquants, il pourrait gagner pas moins de 3 secondes à l'affichage de la page. Ce qui est quand même pas mal. Ouais, on a ça pas me mal de diagnostics, énorme, justement, même. Sur... Ça me semble ah ouais, énorme, c'est énorme. 3 secondes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui rendent ça et qui permettent d'améliorer le site internet. Et tout ça, cet outil, il est vraiment gratuit et tout le monde peut l'utiliser. On voit justement qu'il y a tout le temps de chargement des fontes. On a qu'il y a trop de jeux, il y a vraiment trop de scripts. Ça, c'est le cas de beaucoup. On a tout ce qui est cache. Il n'y a vraiment pas assez de cache là-dessus. Il faut savoir que le cache est super intéressant. Il y a des caches qui est très intéressant d'avoir. Même un cache de 3 minutes ou d'une minute, des fois, quand on recharge la page, quand on recharge une home toutes les 10 secondes et qu'on appuie sur F5, si on n'a pas de cache, on va rechercher directement toutes les ressources tout le temps. Donc, avoir du cache, c'est vraiment très intéressant. Il faut en avoir tout le temps. Et là, on voit qu'il y a des problèmes de cache parce qu'il y a des trucs qui ne doivent pas changer souvent, mais qui n'ont pas du tout de cache. Et ce qui est bien, c'est que tout ça, ça permet vraiment de voir tout ce qui ne va pas sur le site très rapidement. Donc ça, c'était un des outils qui était plutôt pas mal. PageSpeed, du coup, il fonctionne pas, c'est dommage, mais c'était avant. Je peux vous en présenter un autre qui s'appelle GTmetrix, que j'aime beaucoup aussi. Ouais, c'est à peu près pareil si je prends... J'aime bien l'équipe aussi, d'ailleurs, ça tombe bien. En plus, le rapport, je l'avais déjà fait. Je pourrais le refaire, mais ça prendra un peu de temps. En fait, GTmetrix, c'est la concaténation de deux grades. C'est le grade PageSpeed, qui n'a pas fonctionné tout à l'heure, et le grade WaySlow. Et ici, c'est super intéressant aussi, parce que vous avez tout ce qu'il faut faire. Il vous dit qu'au fait, là, il y a trop de ressources qui n'ont pas une URL très consistante. Il manque énormément de cache sur beaucoup de JS. Et pas que du JS d'ailleurs, du JSON et plein de choses. On peut voir qu'au fait, la stratégie de cache est pas bonne pour tous les fichiers. On peut voir qu'il y a des fichiers qui ont un JavaScript qui est pas minifié. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous voyez, par exemple, si je regarde ici, je peux cliquer sur le fichier qui existe, donc le fichier qui est actuellement sur le site, mais j'ai aussi la version optimisée. Donc je peux directement télécharger la version qui est minifiée et optimisée et j'ai juste à la remplacer. Ah, il propose directement les éléments. C'est ça. Mais je vais utiliser ça directement après la conférence, moi. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que normalement, si je dis pas de bêtises, il le fait pour. Je sais plus s'il le fait pour les images. Ouais, si, tu vois. Là, par exemple, pour cette image, on peut avoir 11% de réduction. Donc il te met voir et télécharger directement l'image optimisée dans le format optimisé. Donc ça, c'est des outils qui sont vraiment très intéressants parce que limite, on n'a plus qu'à faire du copier-coller et améliorer tout ça. Et c'est ça qui est cool. Et ça reste gratuit aussi.
Évidemment, il y a on va dire, un compte premium et un compte payant qui vous permet de faire du monitoring et beaucoup plus de choses. Si vous êtes des pros dans le secteur, c'est super intéressant parce que vous pouvez faire beaucoup de choses avec ces outils. Mais on va dire, en tant qu'étudiant ou même en tant que dev normal, quand on n'a pas trop de projets, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un compte payant. D'avoir un Mais compte payant, ouais. les analyses sont vraiment bien. Ok. Et le Wavestore fait exactement pareil. Wavestore, à l'époque, c'était, et c'est toujours Yahoo. C'est le grade Yahoo, justement, pour mesurer la performance. On va dire toutes les petites problématiques qu'il y a avec les CDN, bah, en fait, toutes les ressources qui ne sont pas sur des CDN et qui devraient y être. Il y a tout aussi ce qui est JavaScript, CSS, on a déjà vu. Les redirections, quand il y a trop de redirections, il dit qu'en fait, ça va pas. Le fait que le DOM est trop lourd. Il y a Google qui recommande d'avoir un DOM qui fait moins de 1000 éléments. Là, on est à 1815, donc il lève une alerte en disant que c'est trop lourd. Bref, tout ça, c'est vraiment des outils que tout le monde peut utiliser et qui sont bien pour la performance. On parle bien de performance. Je peux vous en présenter un dernier que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Enfin, pas très longtemps, l'année dernière, je dirais. Qui s'appelle Dareboost. Et Dareboost est vraiment, vraiment très puissant. Parce qu'il permet. Il permet de faire un rapport qui est assez détaillé, mais aussi côté serveur par rapport à l'analyse des headers de vos requests, il voit à peu près sur quoi vous êtes, et il vous donne beaucoup de solutions pour avoir un site beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus performant et beaucoup plus qualitatif. Là, j'ai lancé une analyse sur l'équipe, parce que je n'ai pas lancé d'analyse de l'équipe. Dareboost, par contre, c'est une formule payante. Par contre, vous avez une option gratos, donc à activer, où vous avez 5 analyses à faire par mois. Donc vous avez 5 analyses tous les mois à pouvoir faire, et si vous voulez en faire plus, il faut payer. Mais c'est un outil vraiment qui vaut vraiment le coup. T'es en train de griller tes analyses mensuelles pour la démo là, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, j'ai Ouais, déjà fait les miennes. c'est gentil comme tout, Ruel. Mais c'est vraiment très très intéressant parce qu'en fait, on accède à vraiment, on va dire, c'est des outils qui sont complémentaires et pas forcément à mettre en concurrence les uns par rapport aux autres. Là, on voit qu'en fait, il y a 12 issues, 5 improvements, 71 succès, qu'on a 65%, c'est une sorte de grade. On a directement le nombre de requests, le nombre de requests, le poids de la page. On a les indicateurs, on va dire, web perf, donc le first byte, le start render, le fully load. On voit que c'est pas très bien de charger un site total en 30 secondes. Et évidemment, on a tous les tips. Et là, c'est vraiment cool. On voit la taille totale qu'on devrait réduire. On voit qu'il y a une ressource qui n'est pas trouvable. Donc, il doit y avoir une 404 dans la page ou même une 500. Il y a une 500 qui est sur un desktop part, certainement. On voit qu'une image est resizée dans le browser. Donc, elle n'est pas à la bonne taille, en quelque sorte, qu'il faudrait l'optimiser. On voit vraiment plein, plein de choses. Et il y a plein de choses sur, justement, le fait de déférer le JavaScript qui n'est pas utile. Il y a certaines images qui ne sont pas JZP. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses, même sur la qualité. Là, on voit par exemple le tag importante est utilisé trop de fois. Importante, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est dans les CSS, au fait, on peut mettre du importante pour surcharger et faire un overload de tous les précédents CSS. Ouais, Donc, c'est ça fait du une bonne repaint. technique quand on maîtrise pas Bootstrap pour Ouais, passer. mais c'est horrible parce que c'est horrible pour deux fois et pour deux choses. C'est que qualitativement, si tu utilises un important sur un sélecteur que tu essayes de mettre autre part, en fait, le important va toujours prendre le dessus et c'est Ouais. pas super. Et par contre, le important refait un repaint à chaque fois que tu fais ça. Donc, ton navigateur va repeindre, on va dire, va peindre ta première page et ensuite, avec l'important, il va tout surcharger et avoir un deuxième repaint qui va alourdir et réduire le temps de chargement total de ta page et réduire, on va dire, ton speed index, ce qui est un peu dommage. Ouais, c'est pas ouf, ouais. Mais c'est plein de trucs comme ça où, au fait, il y a vraiment, vraiment plein, plein, plein de choses et plein de. Là, c'est comme l'équipe, c'est un gros site, donc eux, ils passent vraiment beaucoup, beaucoup de règles aussi. Mais il y a plein de tips qui nous permettent justement de rendre le site, enfin, rendre le site, rendre nos services numériques plus qualitatifs, plus performants. Et c'est vraiment des outils que je voulais vous présenter parce que c'est bon de les connaître. Tu t'y perds pas un peu dans cette quantité d'outils? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a de la stat de partout. Non, j'utilise certains pour certaines stats, j'utilise d'autres pour d'autres stats, et ensuite c'est vrai que c'est plutôt sympa. Ici par exemple, ce qui est intéressant, c'est que tu peux voir ce qui est intéressant avec Dareboost, c'est qu'au fait, tu as le waterfall avec toutes les ressources qui sont chargées. Donc tu vois là par exemple que tu as toutes les ressources avec en fait, le poids, le temps de résolution DNS, avec quand a été ton start render, ton visually complete, ton load event et plein de trucs. Ce qui est pas mal avec Dareboost, c'est aussi que tu peux comparer tes rapports.
Ça fait que par exemple, si tu fais, si tu es sur un site internet, que tu fais une mise en prod, bon, en fait, tu peux lancer limite une analyse à chaque fois que tu fais une mise en prod et tu peux comparer l'impact qu'a eu ta mise en prod d'un rapport sur l'autre. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, c'est vrai que les autres, web.dev et compagnie, bon, en fait, c'est des outils de Google et Google, en matière de SEO, ben, en fait, mieux vaut être en accord avec eux. Et c'est bien de voir ce que eux aussi pensent de ça. Et il y a aussi des outils qui sont assez intéressants sur l'accessibilité numérique, parce qu'il faut savoir qu'il y a 10% des personnes qui ont des problèmes physiques qui leur permettent pas d'avoir accès au numérique comme nous. Donc il y a peut-être des problèmes au niveau de la vue, il y a des problèmes ben, au niveau ben, tous les niveaux, au niveau même ben, généralement c'est des problèmes de contraste ou autres. Et l'accessibilité numérique, ben, justement, ben, si on regarde le rapport web.dev, il y avait une zone accessible qui disait que ben, en fait les aveugles, eux, ils peuvent aussi accéder à Internet. Ils doivent pouvoir accéder à Internet. Sauf que quand on a un site qui n'est pas accessible, un site qui est codé un peu avec les pieds ou qu'on n'a pas les notions d'accessibilité qu'il faut, ben, un aveugle, il aura beaucoup de mal à circuler sur Internet et c'est pas super cool. Avoir différents outils comme ça permet vraiment d'avoir, on va dire, un panel d'outils qui permet, on va dire, de se compléter mutuellement les uns avec les autres. C'est hyper intéressant, ça te remonte les stats d'accessibilité sur le handicap, là, tout ça, là. Ouais. Non, mais ça, c'est cool. Google C'est commence ouf. un peu à s'y mettre. Mais ça, si on regarde avec, je crois que c'est Firefox. Est-ce qu'il va se lancer le Firefox Nightly? Ça fait longtemps que je l'ai pas mis à jour. Au fait, les outils de dev que je vous ai présentés, ils sont vraiment sur tous les navigateurs. C'est pas que sur Chromium. Sur Chromium, vous aurez l'analyse Lighthouse en plus que vous n'aurez pas sur les autres. Par contre, les autres ont d'autres types d'outils. Si j'essaye de lancer, il s'est lancé lui. Moi, je suis un utilisateur de Firefox. C'est quoi qui Firefox. a Firefox, ouais. Ce qui est bien avec Firefox, c'est qu'en fait, il a aussi des outils de dev. C'est pour ça qu'en tant que dev, on est censé toujours tester sur plusieurs navigateurs. Mais par contre, il a des outils de dev qui sont différents. Ici, vous voyez qu'en fait, j'ai les outils de dev avec l'inspecteur, le débogueur, le réseau, comme ce que j'avais sur Chrome. Par contre, en plus, vous voyez, j'ai un petit bouton accessibilité. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, on peut rechercher directement, c'est en bêta actuellement, tous les problèmes d'accessibilité qu'a le site, par exemple, sur lequel je suis. Donc là, il est en train d'initialiser tous les problèmes et il va me mettre ben, directement en dessous ben, tous les problèmes que lui a trouvé, tous les problèmes d'accessibilité numérique qu'a trouvé Firefox sur le site, l'équipe. On me Et ce qui est parle bien, c'est que quand on connaît. de l'extension Axe, ou Axe qui propose une extension, qui propose un audit dans les DevTools. Je sais pas si tu connais. Ah. Dans le Ah non, pas chat, du on tout. parle de Par ça. contre, je vais noter. On a le nom dans le Slack, histoire que je prenne note et que je regarde. Ouais, Et je regarde. c'est... Non, je T'inquiète pas, connais pas tu du tout auras tout. l'extension, mais ça, c'est des extensions qui sont sympas et qui sont bien à connaître et à voir. Et ça, ce qui est intéressant avec Firefox là-dessus, c'est que c'est natif. Donc, il n'y a pas d'extension à installer là-dessus. Et vous voyez qu'au fait, il y a différents types. On voit que, par exemple, il y a des problèmes, on va dire, au niveau du clavier. Donc, des éléments, on va dire, qui passent peut-être les uns au-dessus des autres au niveau de la navigation clavier, ce qui n'est pas évident pour les personnes qui ont des problèmes de vue, parce qu'ils voient pas, enfin, ils voient pas où ils sont. Il y a des problèmes de contraste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit normalement aussi le contraste qu'il y a. On voit qu'au fait, là, il est à 2 et qu'au fait, il faut faire attention. Il faudrait peut-être un gris qui soit plus gris ou un contraste qui soit plus élevé pour que les personnes malvoyantes puissent vraiment plus voir le site internet. Vous voyez, c'est vraiment intéressant parce que ça, c'est encore des outils qui sont gratos et c'est des outils, il suffit juste de faire une analyse pour pouvoir améliorer le numérique et améliorer nos services internet. Bref, je crois que j'ai fait à peu près le tour. C'est ça. Si je fais plutôt justement de l'accessibilité, je regarde plutôt sur web.dev ou sur Firefox avec les DevTools, où il y a même des sites justement qui permettent de faire des audits d'accessibilité plus spécifiques, parce que c'est un peu light, on est en ce moment là-dessus. Si je veux plutôt de la perf, ben, je vais plutôt voir sur web.dev ou sur Dareboost, voir si j'ai pas tué mon waterfall, que j'ai pas chargé des ressources n'importe comment. Ou si je veux faire du SEO, ben, je vais plutôt voir web.dev et PageSpeed parce que ça reste du Google et non, c'est eux qui ont le plus gros monopole là-dessus. D'accord.
Donc c'est comme ça un peu que tu fais ta tambouille et puis tu utilises un peu tout ce panel d'outils. Super. Ouais, j'essaye d'utiliser. Ben, j'aime bien voir tout ce qu'il y a là-dessus. J'essaye d'utiliser le plus d'outils, enfin pas le plus d'outils, mais j'essaye d'utiliser les bons outils au bon moment et de me renseigner sur les évolutions des outils, parce que c'est vrai qu'on est dans, enfin on est dev, c'est un monde qui évolue énormément. Tous les langages informatiques évoluent à une vitesse, c'est phénoménal. Donc c'est vrai que si on fait pas un peu de veille et qu'on voit pas à peu près ce qui sort ou tous les outils qui peuvent nous aider et toutes les bonnes pratiques qui seront à mettre en place avec les nouveaux langages ou les nouvelles façons de faire, c'est un peu dommage. Pouf, je vais pouvoir revenir à la fraise. Du coup, je vous ai présenté des outils d'analyse qu'on appelle des outils d'analyse statique. Ça fait qu'au fait, on récupère juste le DOM. À partir du DOM, ben, on extrait tout ce qu'il y a dessus. On fait ben, de l'analyse par rapport à tout ça, au poids, au nombre de requêtes, et on vous présente des statistiques. Il faut savoir qu'il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'une revue de code, si vous faites de la revue de code, c'est aussi considéré comme un outil d'analyse statique, parce qu'au fait, l'expérience d'un dev qui est plus expérimenté, ben, peut aussi trouver les failles qu'il y a, ou peut voir ben, justement les problèmes de contraste quand il a des doutes, ou sur les couleurs, ou n'importe quoi. C'est aussi considéré. Une revue de code, c'est très important de faire de la revue de code, parce qu'au fait, ça permet de partager les problèmes et tous d'apporter la meilleure solution à ses collègues. Je ne vous ai pas parlé des profilers, il y en a beaucoup comme Blackfire sur PHP, Dottrace, Dotmemory, qui permettent justement quand on ne fait pas forcément du web, mais enfin Blackfire en l'occurrence c'est PHP ou Python, mais Dottrace, Dotmemory c'est plutôt pour l'applicatif qui permet justement de voir les problèmes mémoire ou les sortes de waterfall pour les applications, voir par où ça passe et voir ce qui se passe et détecter justement les potentielles fuites mémoire ou les potentiels lags que vous pouvez avoir sur vos applications. Des profilers, des outils d'analyse statique, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc allez sur Internet, vous verrez que vous pouvez vraiment optimiser et améliorer la performance de vos applications grâce à tous ces outils qui sont disponibles gratuitement ou pas, parce qu'il y en a qui sont quand même pas donnés. Je crois qu'en licence étudiante, vous devez avoir accès à la suite JetBrains. JetBrains, c'est Dottrace, Dotmemory, c'est ceux qui font PHP Storm, WebStorm et tout ce qui est IntelliJ. Donc c'est plutôt intéressant, ils font des outils qui sont vraiment puissants et qui permettent de voir à peu près tout ça. Je sais pas si Ouais, Blackfire je confirme, a un compte on étudiant. l'a, ouais, on l'a, JetBrains. Ouais. Et JetBrains, Dottrace Dotmemory, c'est JetBrains. Et quand vous faites de l'applicatif, c'est super intéressant d'avoir ça. Ensuite, vous avez d'autres outils. Il y a tous les outils de. Par exemple, si vous faites de l'Android, ben, vous avez les outils d'analyse d'Android qui permettent de faire à peu près la même chose. Vous pouvez profiler toutes votre application pour voir par quelle fonction vous êtes en train de passer, dans quelle fonction vous êtes en train de passer, quelle fonction consomme le plus de CPU, de RAM, pourquoi est-ce que ça consomme tant et optimiser tout ça. Bref, il y en a tout autour de la tête. Mais du coup, moi j'avais une question, je vous ai présenté plein d'outils ici, mais est-ce que quelqu'un peut me dire exactement ce qu'est la performance informatique? On en parle depuis tout à l'heure, mais pour vous, c'est quoi la perf? C'est vrai que tu nous as présenté pas mal d'outils voilà, qui permettaient de mesurer la perf, mais en fait, qu'est-ce qu'on mesure? Je ne sais pas si le chat a quelques réponses. On a une dizaine de personnes avec nous là à nous écouter. Il commence à y avoir quelques échanges dans le chat. On me parlait des outils que tu nous as présentés. Tu nous as présenté GTmetrix, Lighthouse, et quelqu'un me parlait qu'il n'était pas, il avait pas réussi à choper Flow quelque chose. C'était quoi? Je ne sais pas si on mélangeait avec les Le TensorFlow qu'on flow. parlait avant ou de toute façon le Flow, ça live me dit sera. rien. Ouais, moi non plus, Flow. De toute façon, je dirais, j'ai présenté PageSpeed. Ah, il y a Lighthouse. Lighthouse, c'est web.dev. C'est celui qui remplace PageSpeed en quelque sorte. Dareboost, GTmetrix, web.dev. Bon, en fait, il y a à peu près tout. Je crois que c'est tout ce que j'ai présenté ici. Mais c'est déjà pas mal. Je peux On regarder parle à d'autres côté. outils là dans le chat. Axe, Ah oui, je lis. il y en a tire Voilà, l'arigot. il y en a tire-larigot. Voilà, je lis code climat aussi. Je lis plein de choses. Mais du coup, la performance, du coup, comment tu la définis, toi? Justement, c'est là où en fait l'aspect écologique peut un peu rentrer en place. L'ISO, il y a énormément de normes ISO qui existent, dont la 25010 qui a été reviewée la dernière fois et remise à jour en 2002, qui est la norme de la qualité logicielle. Ça, c'est une norme justement qui mesure la qualité logicielle par rapport à une suite ou à plusieurs suites de tests.
À l'intérieur, vous voyez qu'il y a plein de tests. Il y a les tests fonctionnels, les tests de performance, de compatibilité, d'utilisabilité, de fiabilité, de sécurité, de maintenabilité, de portabilité, bref. Il y en a beaucoup qui ne savent pas faire de tests unitaires ou n'importe quoi, mais en fait, cette norme-là, elle permet de faire tellement de tests que vous vous y perdez, tellement faut en faire pour justement avoir une application dite qualitative. Ce qui nous intéresse dans ces tests, c'est les tests de performance. Au fait, la norme 25010, elle dit que la qualité logicielle et les tests de performance, pour passer des tests de performance, il faut trois indicateurs. Il faut passer l'indicateur du temps de réponse. Donc, pour passer ce test de performance, il faut que l'application soit très rapide. Donc ça, normalement, c'est à peu près ce que tout le monde comprend. Généralement, quand on parle de perf, beaucoup de personnes pensent à la rapidité. Pour eux, c'est une personne, enfin, un site internet performant, c'est un site internet qui est très rapide. Et c'est vrai, mais pas que. Il y a aussi les tests de capacité, donc qui puissent résister aux tests de charge, par exemple. Une application qui plante au bout de 5 000, 50 000 ou 100 000 utilisateurs, elle passe pas ça. Parce qu'elle n'a pas, enfin, pas suffisamment de scalabilité possible pour pouvoir absorber tout le trafic potentiel. Non, une application performante, c'est une application qui est très rapide, mais qui passe aussi les tests de capacité, donc qui soit assez résiliente. Et par contre, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que justement, c'est le dernier point. Une application performante, c'est une application qui est, oups, pardon, qui justement qui gère correctement son utilisation de ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une application qui est très résiliente, qui résiste à vos tests de capacité, qui est une application justement qui est très performante en matière de vitesse, qui est très rapide, mais par contre qu'elle se sert et qu'elle consomme à mort des serveurs sur AWS ou sur GCP ou sur Azure ou sur n'importe quel autre type de serveur individualisé, c'est pas une application performante, c'est une application juste rapide. L'utilisation des ressources est vraiment, on va dire, est vraiment prépondérante et doit être prise en compte dans les tests de performance. Ça fait qu'une application performante, c'est une application qui prend vraiment et qui utilise le minimum de ressources possible pour pouvoir avoir le meilleur temps de réponse possible et pour pouvoir résister au maximum, au mieux, à la charge possible. C'est un peu ta pierre angulaire, quoi. C'est vraiment ça sur, enfin, c'est ton levier au niveau de la performance pour toi, en tout cas. C'est ça. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est que ça, c'est vraiment une norme. C'est vraiment une norme ISO. Et si vous voulez, on va dire, dire que votre logiciel est qualitatif, que vous faites de la qualité logicielle, il va vous falloir justement vous faire ISOifier là-dessus, en disant, en fait, moi, je respecte, je suis mon service numérique ou mon logiciel est certifié ISO 25010. Mais au fait, si vous utilisez trop de ressources dans le test de performance, ben, en fait, vous passez pas cette norme ISO. Donc, du coup, c'est plutôt intéressant à comprendre et c'est plutôt intéressant de savoir que la qualité de logiciel, c'est aussi à peu près une qualité écologique. Donc, la performance, ça parle aussi écologie parce que ça parle de ressources. Et lorsqu'on utilise trop de ressources, ben, on n'est juste pas performant. C'est à peu près le même lapsus que j'avais tout à l'heure avec le Rafale. Le Rafale, ben, en fait, il a un temps de réponse énorme en quelque sorte. Il a une capacité vraiment large. Par contre, en matière de ressources, il s'use du kérosène, mais un truc de fou, quoi. Ouais, pour une charge utile, donc un Rafale est très rapide. Un peu minime. C'est ça. Donc ça, c'était la qualité logicielle. Bref, pour vous parler de performance, ce qu'était la performance. Maintenant, on va voir à peu près ce que sont réellement les impacts sur l'environnement. Parce que le numérique, il consomme énormément de choses. Le numérique, il fait plein de choses. Le numérique, c'est un outil, au fait. Il est ni bon ni mauvais. Il faut vraiment comprendre que le numérique est un outil. Par contre, il a réellement des impacts sur l'environnement. Et les impacts, ils sont de... Enfin, il progresse de seconde en seconde, parce qu'il y a des serveurs qui sont mis en route toutes les secondes, il y a des téléphones qui sont vendus toutes les secondes aussi, et c'est un peu catastrophique niveau environnemental. Déjà, on a l'énergie primaire. L'énergie primaire, c'est ce qui permet de créer, ben, en fait, d'extraire les ressources, de créer de l'énergie finale et tout le reste. On utilise, rien que le numérique, utilise 4,2% de l'énergie primaire totale. En émissions de gaz à effet de serre, on est à 3,8%. Ça fait 1 400 millions de tonnes de gaz à effet de serre juste pour le secteur du numérique. C'est 1,5 milliard de salariés français allant travailler pendant un an. Un salarié français, ça consomme déjà beaucoup, on verra tout à l'heure, mais c'est comme si on était 1,5 milliard de salariés à aller travailler juste pendant un an. Mais en fait, c'est tout ce que consomme en matière de gaz à effet de serre le numérique. Tout ça, ce sont des chiffres d'un rapport de Green IT qui a été fait en décembre sur les impacts du numérique mondial. C'est vraiment colossal.
En consommation d'eau potable, on n'y pense pas forcément parce que, ben, parce qu'en fait, on voit pas que le numérique, dans les extractions des ressources et tout le reste, ben, en fait, on consomme vraiment beaucoup d'eau potable. Il y a des pays qui manquent d'eau potable, mais nous, on en consomme pour faire autre chose. C'est 0,2% de l'eau potable mondiale. 0,2%, ça paraît pas énorme comme ça. On se dit, ouais, bah 0,2, c'est que dalle. Sauf que Mignoran, ça fait 7,8 millions de mètres cubes Ah, on d'eau, parle que du ce qui est web en beaucoup. plus que de la consommation Internet. Ouais, C'est énorme. c'est que la consommation du numérique. Donc c'est le web plus les terminaux et Tout tout ce ce que qui est tu nous as vraiment présenté numérique. en intro, ouais. Ouais, Toute cette conso, c'est ça. quoi. Ok. Et au fait, le truc, c'est que même avec 7,8 millions de mètres cubes, ben, on ne se rend pas vraiment compte. Donc au fait, pour s'en rendre compte, on peut dire que c'est 242 milliards de packs d'eau minérale. Sauf que 242 milliards de packs d'eau minérale, c'est pas une bouteille. C'est 6 bouteilles. Ça fait beaucoup. Ouais, Il y a aussi la consommation d'électricité. L'électricité, donc c'est 5,5% de la consommation électrique mondiale. Ce qu'il faut prendre vraiment en considération avec ces chiffres, c'est vraiment qu'au fait, le numérique progresse environ de 10% par an. Donc ça fait que d'ici 20 ans, même moins, d'ici 10 ans, les services numériques, c'est peut-être le secteur le plus polluant du monde, vu à l'allure à laquelle ça progresse actuellement. Pour l'électricité, enfin, ça fait quand même 1300 TWh, c'est plus que le nombre de centrales nucléaires qu'on a en France. Donc ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est comme si on avait 82 millions de radiateurs électriques de 1000 watts allumés en permanence. Et On pourtant, parle avec d'une un radiateur de 1000 consommation watts, annuelle là, hein. on chauffe. C'est sur une Ouais, consommation ouais. annuelle. D'accord. Ouais, Oui. Un c'est journalière, costaud. ça ferait. On n'aurait plus de planète. Il y a la consommation, justement, en ressources rares. Ou je sais pas si vous connaissez l'antimoine, on en parlera tout à l'heure, je vous expliquerai ce que c'est. L'antimoine, c'est la ressource, on va dire une des plus rares qu'on a actuellement dans nos sols, et on parle d'équivalent antimoine comme on parle d'équivalent CO2 quand on parle d'équivalent carbone, quoi. L'équivalent antimoine, ben justement, la consommation de ressources rares du numérique, c'est 22 millions de tonnes d'antimoine. Ça fait vraiment beaucoup. Ah ben voilà. L'antimoine ici, vous avez un tableau qui s'affichait où on voit la durée de vie des réserves rentables en année d'exploitation. L'antimoine, en fait, à l'allure où on va, on a 12 ans d'antimoine qui nous reste. Ce tableau a déjà 2 ans, donc normalement il reste 10 ans d'antimoine dans le monde, dans les sols. Faut savoir que nos sols, on est sur une planète où les ressources sont finies. Une fois qu'on a brûlé ou consommé nos ressources, en fait, il n'y en a plus. Faut aller chercher dans l'espace si on arrive à en avoir, ou faut en trouver autre part, ou en faire apparaître par magie, ou trouver un substitut, mais c'est terminé. L'antimoine, dans 12 ans, si on fait rien, on n'en a plus. L'étain, dans 17 ans, si on fait rien, on n'en a plus. Ce qui est marrant, c'est que, je sais pas si vous connaissez Tesla. Tesla avertit le gouvernement américain qu'ils n'allaient pas comment ils allaient faire, vu qu'au fait, il y a beaucoup de ressources qui s'amenuisent, et eux, ils parlaient du cuivre, et je ne sais plus de quels autres métaux, sauf qu'on voit que le cuivre, c'est quand même, il nous reste quand même 37 ans de cuivre en réserve rentable, Ah, c'est pas s'il n'y a pas énorme. de pic de consommation d'ici là. Ouais, mais 37 ans, c'est pas énorme, alors que eux ont averti sur le cuivre, alors que l'antimoine, il nous en reste quand même que 12 ans. Ouais, en Donc il y a plus on vraiment, voit que vraiment, vraiment plein de trucs à faire sur. tes stats est 12 ans là, c'est au rythme actuel, c'est s'il n'y a pas de pic ou quoi que ce C'est soit, ça. c'est Ouais. énorme. En cas de boom, donc avec une demande accrue de 10% par an, ben en fait, il nous en reste plus que 4. Donc si on avait un pic depuis déjà 2 ans, il nous resterait 2 ans, quoi. Donc ça, c'est vraiment des choses auxquelles on ne pense pas avec le numérique. Le numérique, lorsqu'on a un service numérique, lorsqu'on regarde du streaming, lorsqu'on est sur Twitch ou qu'on joue à la console, on pense pas, on va dire, on pense que le service est virtuel. C'est virtuel, c'est invisible, on voit pas tout ça. Par contre, ça consomme réellement tout ça. Ça a vraiment un impact réel sur la planète. Et c'est ce que je parlais tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez, ça c'est le tableau périodique de Mendeleïev. Tout ce qui est en rouge, c'est tous les métaux qui se recyclent à moins de 1%. Les métaux qui se recyclent à 1%, on parle beaucoup des terres, vous voyez, c'est les lanthanides. Donc c'est toute cette ligne-là, là, de Ouais, 57 à elle est 71. complètement rouge cette ligne même. Ouais, et cette ligne, les terres rares, elles sont pas forcément, on appelle terres rares, mais elles sont pas forcément rares sur la planète. Il faut savoir qu'on a beaucoup de terres rares sur la planète. Par contre, elles se recyclent très, 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 très peu. Et c'est catastrophique d'un point de vue environnementalement, parce que justement, on est obligé d'en extraire tout le temps, quoi. Ouais. Et il n'y a pas que les terres rares
qui sont recyclés à moins de 1%. Il y a beaucoup d'autres métaux, et ce qui est dommage, c'est que lorsqu'on n'aura plus ces métaux, ben, Il va falloir trouver faudra des trouver idées, autre chose, quoi, quoi. ou se passer On de n'est pas regarder là. Netflix, quoi. D'accord. Si on regarde l'antimoine, c'est entre 1 et 10. L'antimoine, c'est le symbole 51 du tableau de Mendeleïev. Donc, SD. Facile à retenir, ça fait penser au pastis. On ne Bref, dira rien. le problème, c'est pas celui qu'on croit. Et ça, c'est vraiment un truc énorme, parce que généralement, quand vous parlez du problème du numérique et les problèmes écologiques avec des personnes, ce qui se passe, c'est que les personnes vous disent, mais en fait, c'est les centres de données, c'est les data centers, ceux qui polluent et tout le reste. Mais au fait, si vous regardez le dernier rapport de GreenIT.fr, ce qu'il dit, c'est qu'au fait, non, c'est pas les data centers. Les data centers, eux, ils ont évidemment qu'ils ont un impact. Ils ont un impact et ils vont avoir plus en plus d'impact avec justement tous nos services qu'on est en train de foutre dans le cloud. Par contre, l'impact, il est très minime parce qu'ils sont obligés d'être optimisés. Eux, ça a des coûts. Et le truc, c'est plus ils vont optimiser ça, moins ils vont dépenser d'énergie et plus ça va être mieux et moins plus ça va leur rapporter. L'impact, mais en fait, ils optimisent déjà les choses. Les centres de données, les centres informatiques sont déjà optimisés. Les réseaux sont déjà plutôt pas mauvais. On arrive à avoir des tests de charge qui sont plutôt pas mal. Il y a des choses qui sortent, qui sont de plus en plus optimisées parce que c'est du milieu professionnel. Par contre, l'impact qu'on a dans tous les domaines, donc ça c'est une analyse de vie multicritère, on voit en matière d'énergie, de gaz à effet de serre, d'eau, d'électricité et de ressources. À chaque fois, en pourcentage, le plus gros impact, c'est côté utilisateur. Vous voyez que l'impact en matière de ressources, à 75%, trois quarts des impacts du numérique, c'est nous, en matière de ressources. À chaque fois qu'on change d'écran, à chaque fois qu'on change de téléphone, à chaque fois qu'on change de service ou de produit numérique, en fait, on consomme des ressources. Et ces ressources, elles sont vraiment beaucoup plus d'impact que le réseau et les centres informatiques sur la planète. Il faut savoir qu'un centre de données, en moyenne, il est rattaché à 300 périphériques utilisateurs, en général. Donc c'est vraiment nous, et c'est à nous aussi de nous remettre en question sur tout ce qu'on fait et tout ce qu'on change à tire-larigot. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait des personnes qui changeaient quand même leur téléphone. Il y a 6% de personnes, d'après le sondage Phone Android, qui changent de téléphone plus de une fois par an. Donc changer de Ouais. téléphone déjà une fois par an, c'est vraiment pas écologique, mais en plus ça a vraiment très 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 peu d'intérêt. Je crois que Enfin, avoir une fonctionnalité je crois que qui... j'ai des coupables dans le chat là Ouais, qui c'est sont pas pas... très fiers, Mais j'ai à une époque, l'impression. enfin, à une époque, j'étais à peu près comme ça, et il faut savoir que c'est aussi un problème sociétal. Il y a des forfaits justement qui nous permettent de faire ça et qui nous permettent de surconsommer. Quand on a des forfaits qui vous disent, mais en fait, vous avez un nouveau téléphone tous les 24 mois, c'est très dur de se passer d'un nouveau téléphone qui nous coûte rien tous les 24 mois alors qu'on va nous l'envoyer par la poste. Mais par contre, en matière écologique, c'est vraiment une catastrophe. Parce qu'en fait, on ne jette plus un appareil numérique parce qu'il ne fonctionne pas. On le jette parce qu'il rame ou parce qu'on en a un nouveau. Ce qui est stupide. Il fonctionne encore, sauf que nous, bah, en fait, on préfère en avoir un nouveau. Bref, c'est aussi une grande remise à question qu'on a à se faire, nous, côté utilisateur. Sans oublier que, sur ces bonnes nouvelles, le numérique, c'est quand même 50 à 75 milliards de kilos de déchets électroniques en 2015. Donc 75 milliards qui généralement partent au Ghana, qui est la poubelle numérique du monde, et qui acidifie leur sol. Donc chez eux, c'est catastrophique. Donc on est en train de tuer tout un pays à cause de nos déchets électroniques. Que l'impact est invisible, on a parlé. Regarder un film en HD via une box internet en matière de gaz à effet de serre, c'est autant que de créer un Blu-ray avec son emballage et de le recevoir. Et ça, bah, généralement, on n'en Ça parle va en pas. calmer Un certains, flux je pense, 4G. ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout qu'au fait, un Blu-ray, une fois qu'on l'a, c'est comme le démat. Une fois que vous avez un jeu vidéo, par exemple, que vous êtes sur Xbox, que vous achetez le dernier Halo ou n'importe quoi, ou d'autres jeux, en fait, si vous achetez en matérialisé, donc avec un emballage, vous pouvez toujours le prêter. C'est comme les livres. Vous pouvez prêter à qui vous voulez, qui n'aura pas à le retélécharger. Par contre, en fait, quand vous le téléchargez, en fait, c'est dur de prêter quelque chose qui est téléchargé et qui est sur sa Xbox à soi. Ouais. Bref, c'est juste, on va dire, des remises à question qu'on ne fait pas forcément. Et un flux 4G consomme 20 fois plus d'électricité qu'une connexion ADSL fibre. C'est pour ça que généralement, essayez d'être connecté, mais connecté filairement, et pas ni en 4G, et ni en... enfin, le Wi-Fi est quand même beaucoup mieux que le filaire. Connectez-vous parce que c'est plus efficient, donc vous consommerez moins d'énergie, mais c'est aussi plus performant. Le filaire est quand même plus performant que le Wi-Fi, qui est plus performant qu'actuellement la 4G, et ainsi de suite. Moi, je suis un fervent On verra plus défenseur du avec la 5G, mais... CPL, moi.
Ouais, bah, non, c'est pas mal. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, de façon curieuse. Voilà. Et l'impact d'un salarié, j'en parlais tout à l'heure, l'impact d'un salarié, Green IT, VVF, on fait des stats là-dessus, c'est 5 740 kWh d'énergie primaire, 800 kg de gaz à effet de serre par an, 14 000 litres d'eau et 3 kg de déchets électroniques. Ça, c'est l'impact moyen des salariés en France. Et ça, c'est des choses que, bah, en fait, c'est ce qui alourdit notre bilan carbone, au fait, quand on n'est pas chez nous, en plus d'une note de notre bilan personnel. Donc, c'est pas très green tout ça. Évidemment, il ne faut pas oublier que le numérique est une ressource finie. Et ça, c'est super intéressant. Il y a Frédéric Bordage que je vous présenterai aussi qui en parle beaucoup. C'est qu'au fait, le numérique vit grâce à quoi? Il vit grâce à toutes les ressources qu'on a dans nos sols. Sauf qu'une fois qu'on n'a plus de ressources, ben, on ne va pas pouvoir faire du numérique. Donc il faut considérer réellement le numérique comme une ressource finie. Une fois qu'on n'a plus de métaux, une fois qu'on ne peut plus extraire de métaux, une fois qu'on n'a plus d'électricité, une fois qu'on ne peut plus faire d'électricité, une fois qu'on ne peut plus rien faire, une fois qu'on ne peut plus assembler tous ces métaux pour faire des cartes graphiques, des cartes électroniques et tout le reste, ben on aura tout juste plus de numérique. C'est pour ça qu'il faut essayer de le préserver et trouver des façons de faire qui soient peut-être plus low-tech, mais plus en accord, on va dire, avec la planète. Bref. Et si le problème était aussi un problème de dev et de conception? Et là, on va rentrer dans la phase dev du problème, un peu plus tech quand même. Généralement, quand on parle de tout ça, enfin, quand on parle de problème écologique, on a justement le fameux plus de serveurs. Mais en fait, j'ai mon site qui rame, j'ai n'importe quoi, mais en fait, c'est simple. Tu rajoutes plus de serveurs, tu rajoutes plus de RAM, plus de CPU, au pire, tu augmentes le stockage. En fait, c'est bien, sauf que quand on fait ça, quand on rajoute des serveurs à chaque fois, on a plus d'énergie utilisée, on a plus de ressources consommées, on a plus d'argent dépensé, on a plus d'obésiciel, je vous parlais de l'obésiciel. Et tout ça, mais en fait, ça augmente à la fois nos coûts, mais ça augmente aussi la dépense planétaire qu'on fait en matière de ressources et d'énergie. L'obésiciel, bah en fait, c'est aussi les nouvelles fonctionnalités. Pour ceux qui connaissent, en matière de JavaScript, on a ce qu'on appelle le pré-render. Le pré-render, c'est un méta qui permet de pré-rendre et de pré-charger une page lorsque vous êtes sur une autre page. Donc, par exemple, quand vous êtes sur un Swiper ou sur une page AMP, Google l'utilisait pour les pages AMP, ben, lorsque vous êtes dans les résultats Google, ben, Google pré-rend les pages AMP, histoire que quand vous cliquez sur les pages AMP, ben, en fait, tout soit chargé directement et vous n'ayez pas à les charger vu qu'il les a toujours pré-chargés. Par contre, ça, d'un point de vue environnemental, c'est catastrophique parce que si vous cliquez pas sur les pages AMP des résultats Google, en fait, Google aura fait toutes les requêtes dans tous les sens sur tous les sites pour rien parce que vous n'êtes pas allé dessus. Il y a l'async-défer aussi. L'async-défer, c'est super cool parce qu'en matière de JavaScript, vous pouvez déférer ou asynchroniser vos scripts. C'est super cool. Par contre, le truc, c'est que synchroniser et déférer ces scripts, c'est bien, sauf que le mieux, ça reste de les rendre plus sobres et plus petits. Ça va améliorer la performance. Par contre, ça ne va pas améliorer le fait que votre site est plus éco-conçu. Parce que mine de rien, il sera toujours aussi lourd, par contre, il sera juste plus rapide. Et aussi certaines nouvelles versions de langage informatique qui créent des nouvelles fonctionnalités qui sont plus lourdes et qui mettent ben, à mal des anciens périphériques. Ça, on le voit beaucoup. Ça crée de l'obsolescence logicielle en quelque sorte. Quand on a des choses qui sont, quand on a des nouveaux logiciels, quand on a des nouveaux services qui embarquent des nouvelles fonctionnalités, ça peut être sympa. Par contre, c'est pas forcément bien parce que des nouvelles fonctionnalités, c'est peut-être, on va dire, plus d'utilisation de RAM, plus d'utilisation de CPU et d'anciens modèles ou d'anciens périphériques n'ont peut-être pas la capacité de pouvoir télécharger ces nouveaux logiciels, de pouvoir faire tourner cette nouvelle fonctionnalité. Et du coup, tout ça crée encore de nouveaux obésiciels qui créent de l'obsolescence matérielle. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne change plus de téléphone ou d'ordinateur quand ils ne fonctionnent plus, mais bien avant, quand ils rament ou qu'ils sont lents. Et ça, vous pouvez très bien le voir avec, par exemple, si vous êtes sur Android ou même sur Apple, vous téléchargez juste deux types d'applications. Vous téléchargez une application connue qui s'appelle Photoshop. Je crois qu'il y a Photoshop sur Android. Ouais, je confirme, ouais. Vous regardez le binaire de Photoshop. Le binaire de Photoshop, il doit faire moins de 100 mégas. 100 mégas pour une app, c'est énorme. Mais moins de 100 mégas. Ensuite, vous allez regarder le binaire de Facebook. Facebook, le binaire, il était à 80 mégas. Photoshop, il fait quand même le café par rapport à Facebook. Facebook, il fait que justement défiler, faire défiler. Ben, il est censé, je veux bien dire, il est censé ne faire défiler qu'un fil avec vos amis et vous mettre en contact avec Messenger et compagnie. Donc vous voyez qu'au fait, l'obsolescence, elle est vraiment partout. Facebook, 80 mégas, c'est énorme pour une application qui est censée juste vous mettre en relation et afficher des choses qui viennent d'Internet. Bref.
On pousse à la consommation numérique, et quand je dis ça, c'est pas en ayant des offres comme ça, comme prenez un nouveau forfait, on vous offre une Google Home ou un mobile au prix réduit tous les 24 mois, comme le fait si bien Orange actuellement. Non, on pousse à la consommation numérique en matière d'informatique. Donc nous aussi, en tant que dev, on peut le faire. Pourquoi? Parce qu'on a de moins en moins de modes hors ligne. Office 365 check les licences tout le temps. Stadia, c'est du full connecté. La Xbox One a essayé de se faire en full connecté à une époque. Elle s'est gaufrée, elle a changé. Elle a dit qu'au fait, elle ferait aussi du filaire et du matérialisé parce qu'au fait, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à Internet comme nous, on a accès. Moins de modes en ligne, et c'est aussi le cas de Pokémon Go. Au fait, c'est une application où on est obligé de tout le temps être connecté et tout le temps avoir son GPS d'activé. Donc, ça consomme à mort de la batterie. Pokémon Go, ce qui est intéressant, c'est qu'au fait, ça fonctionne même pas sur les plus vieux Android. Si vous voulez jouer, vous pouvez même pas jouer sur les anciens Android. Il faut avoir une version à jour qui soit pas une des dernières, mais une des avant-dernières. Donc, ça, c'est vraiment de l'obsolescence c'est de l'obsolescence logicielle, parce que si vous voulez jouer, vous êtes obligé de racheter un mobile. C'est quand même stupide. Tu penses J'avais pas, parlé aussi de... tu penses pas que c'est facile quand même de tomber dans tous ces torts et ces travers et surtout quand on est dev de tomber dans le piège de l'ajout de fonctionnalités et voilà de pas Ah si, si, réfléchir à refactor c'est super proprement, complexe, hein. etc. C'est super complexe parce que, enfin, moi je me souviens, juste de moi tout con. Enfin, moi quand je suis sorti d'école, la performance, j'en avais juste une vague idée et l'écologie qu'il y avait derrière, j'en avais pas la moindre idée. Je savais rien que, je savais pas du tout qu'au fait, quand mon site était trop gros et quand je chargeais des images en full screen derrière, que j'en avais 18 et j'avais un super slider qui changeait d'image aléatoirement et qui avait des images par rapport à la météo ou n'importe quoi, en fait, ça consommait plus qu'un site qui soit très très light. En fait, j'ai pas tous ces impacts. Et quand on n'a pas connaissance de tous ces impacts, c'est très très simple d'avoir justement, comme tu dis, de rentrer dans ces travers et de coder pas n'importe comment, mais de coder comme le font une majorité des gens, c'est-à-dire avec trop de bundles, avec trop de dépendances, avec trop de choses qui vont pas servir, on va dire, réellement à l'utilisateur et à ce que vient faire l'utilisateur sur son service numérique. C'est très très simple de faire n'importe quoi. Mais Et c'est ça qui est vraiment dommage. t'as pas des logiques du coup où c'est compliqué quand historiquement t'as un vieux service, là le chat ça parle de Messenger et de l'app Facebook. On signale y a eu un gros refactor récemment parce qu'il y avait beaucoup de vieux codes qui se traînaient. Tu vois, sur des vieux services un peu historiques, est-ce qu'il n'y a pas aussi le poids des années et des quantités de Si, le devs code legacy, c'est... voilà. Si, ah, ça c'est total. Le legacy d'une application, c'est vraiment critique. C'est pour ça qu'il faut essayer de le combler le plus tôt possible et pas tomber sur du... Enfin, essayer de... Faut le maintenir. Faut essayer d'avoir le moins de code applicatif et le moins de legacy possible là-dessus. Ensuite... Il y a ça, il y a le code legacy qui alourdit les choses, mais aussi les versions d'OS par exemple. Une version d'OS, mais en fait, si vous bridez votre application à ne tourner que sur tel OS ou supérieur, on aura peut-être plus de fonctionnalités sur cet OS, mais peut-être des fonctionnalités qu'on ne va pas utiliser et qui vont brider les anciens utilisateurs d'anciens OS, et du coup, ces anciens utilisateurs n'auront pas accès à cette application. Et ensuite, le truc, c'est que même s'il y a deux ou trois applications ou qu'on a accès à une vieille application, ben, il y a toujours les problèmes de sécurité, il y a toujours les problèmes de fonctionnalité qu'on n'a pas, et il y a tout ça qui est vraiment dommage, quoi. Généralement, même dans le monde pro, on se préoccupe généralement de la dernière application, parce que les gens sont plus sur les dernières et mettent toujours leur application à jour et sont plus sur les nouveaux téléphones, que sur les applications qui ont 5 ou 6 ans en arrière, parce que le trafic, il est réduit, quoi. Ok, C'est non mais bon? c'est intéressant. Je te fais remonter un peu les questions du chat Ah oui, quand faut il hésite y a pas, hein. C'est vrai que l'occasion. je suis pas du Voilà. tout dessus, donc Non, non, mais t'inquiète pas, hésite je pas suis là du tout. pour ça. Du coup, justement, on parlait des mises à jour d'applications. Il y a un collectif qui s'appelle Hop. Hop, c'est Halte à l'obsolescence programmée, et qui est justement pour faire plusieurs choses. De différencier des fois, ben justement, les nouvelles fonctionnalités des dernières. Pour les dernières versions. Au fait, actuellement, quand on télécharge quelque chose, c'est très rare de télécharger à la fois des mises à jour qui soient différenciées entre les mises à jour de correction et les mises à jour de fonctionnalités, c'est-à-dire d'évolution. Lorsqu'on a téléchargé une app avec certaines fonctionnalités, qu'on veut la mettre à jour pour, on va dire, récupérer les mises à jour de sécurité, on n'a peut-être pas besoin de toutes les fonctionnalités qu'apporte cette nouvelle version.
Et tout ça, au fait, actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, quand on télécharge une mise à jour, on a forcément toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont avec, alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Et peut-être que le téléphone sur lequel on est ne nous permet pas d'être suffisamment puissant pour profiter de toutes ces évolutions. C'est pour ça que cet organisme essaye de promouvoir le fait de faire la distinction réelle entre les mises à jour correctives et les mises à jour évolutives. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et il disait aussi justement que c'est quasiment pas possible de revenir à une version précédente, une mise à jour logicielle, surtout lorsqu'on n'est pas dev. En tant que dev, c'est plus simple, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, quoi. Mais pour une personne qui vient de faire une mise à jour, qui a un vieux téléphone, mais par contre qui a 75 ans et qui sait à peine se servir de son téléphone, revenir en arrière, c'est un vrai champ de bataille. Il y a aussi le problème de l'infini scroll. Et ça, je pense que tout le monde connaît, je pense que tout le monde a un compte Facebook ou est sur les réseaux sociaux, sur Twitter et tout le reste. L'infini scroll, le scroll infini, un, c'est très polluant, mais deux, ça vous permet de rester sur une page. Lorsque vous êtes sur Facebook et vous scrollez, vous scrollez, vous scrollez, vous avez téléchargé des images, des vidéos, des images, des vidéos, des images, des vidéos, mais au fait, vu qu'il n'y a pas de fin, vous continuez de scroller. Et à chaque fois, vous avez peut-être un truc qui est à jour qui vous stimule en disant c'est cool, ça je savais pas, donc vous continuez de scroller et ainsi de suite. Le scroll infini, c'est une très très mauvaise pratique, on va dire, en matière d'éco-conception, parce que ça télécharge énormément de données et c'est très coûteux. C'est très coûteux, on peut même le voir avec Bing. Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft. Et au fait, eux, ils ont réduit le nombre de données qu'il y avait sur la pagination de Bing. Ils ont réduit de 20%. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'au fait, ils ont passé leurs résultats, je ne sais plus combien il y en avait, je ne sais même plus combien il y en a. Bref, s'ils avaient 100 résultats, ils sont passés à 80. Donc il y avait 20 résultats de moins. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à réduire leur charge serveur de jusqu'à, à certains points, 80% juste en réduisant le nombre de résultats affichés dans la pagination. Il y a tellement d'utilisateurs que lorsque vous faites juste 20% de résultats en moins, en fait, votre charge serveur, elle diminue naturellement. Les économies d'échelle, elles sont Donc folles, l'infini quoi. scroll, c'est ça. Et on n'en a pas conscience comme ça, mais quand on a beaucoup d'utilisateurs sur nos services, ça a vraiment de l'impact. Et il y a de l'impact qui peut, on va dire, être sympathique côté éco-conception, parce que justement, on va moins consommer, on va avoir besoin de moins de serveurs, donc on va avoir besoin de moins de réseaux aussi, parce que tout ça va être mieux, mais c'est aussi économique. Et oui, ils l'ont fait, on peut pas se mentir, ils l'ont vraiment fait pour des raisons économiques, mais c'est intéressant de voir qu'au fait, on peut lier les deux. Du coup, l'infini scroll, ça crée encore plus de logiciels et c'est quelque chose aussi qui nous force à consommer du numérique. C'est pas forcément une bonne pratique. Ouais, il y a même eu des designers qui sont un peu engagés contre cette pratique là récemment. Je sais que ça avait pas mal Il y crié en a beaucoup. dans la Silicon Valley Ouais, là. c'est ça. Il y en a beaucoup qui l'incluent vraiment dans les dark patterns dessus. Voilà, ouais. C'est pas super. Ensuite, on s'impose plus de limites. Et ça, c'est prépondérant. On a des SSD qui font plus de 100 terabits. Il y a accès fibre, 4G, il y a la 5G qui arrive, il y a des CPU octocore, du 16 threads, 5 GHz. Franchement, on a du matériel qui est ouf. Par contre, on a de l'infini. On a de l'infini du cloud et des réseaux. La 5G arrive, comme je l'ai dit, donc ça va encore permettre d'avoir des autoroutes, on va dire, plus larges pour faire passer une bande passante beaucoup plus large pour faire passer tout le trafic. Donc, on va encore se laisser avoir et faire des logiciels de plus en plus lourds. Il y a Microsoft Azure, Google Cloud, AWS qui sont là. Donc, au fait, le seul truc là-dessus, c'est qu'à une époque, comme je vous ai parlé, quand on est allé sur la Lune avec 72 kilooctets, en fait, on n'avait pas le choix parce que ça n'existait pas plus. Maintenant qu'en fait, on n'est pas limité, le seul truc qui nous limite, c'est notre carte bancaire. Si on n'a pas de sous, on est obligé de brider les choses. Quand on a des sous, on les bride pas parce qu'au fait, il suffit de rentrer son numéro de carte bancaire sur un des prestataires informatiques et vous pouvez avoir accès à des téras et des téras de données, une bande passante qui est gigantesque, un ping qui est fou avec les CPU qu'il y a derrière et c'est catastrophique quoi. C'est catastrophique. C'est à la fois bien techniquement parce qu'on peut avoir des trucs qui sont vraiment stylés, mais par contre écologiquement c'est catastrophique parce que derrière il y a la planète qui en peut juste plus. Ouais, ça encourage pas la C'est réflexion en une plus logique. sur les designs et le développement. C'est tellement facile maintenant de rajouter je sais pas combien de choses sur tel élément. On parle dans le chat, voilà, on me dit c'est intéressant de réfléchir ces devs sous forme de plugin. On parle de features as a plugin, voilà, de prendre que réellement ce dont on a besoin quand on développe et justement de ne pas surdimensionner tous ces services qui sont un peu, je pense, des Exactement. pièges, quoi. Voilà.
Mais ça, justement, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment ce qu'on explique justement avec l'éco-conception et la sobriété numérique. Généralement, enfin, si on regarde, enfin, j'ai quitté mon truc, je vais me remettre sur Brave. Ah, j'ai peut-être un contrôle N. New tab. Là, je suis sur Brave. Brave, c'est la page d'accueil, en quelque sorte, c'est un navigateur Internet basé sous Chromium. Et tout à l'heure, j'ai vu un truc qui est un peu stupide, c'est que par défaut, vous voyez, il y a l'heure. Qu'est-ce que vient foutre l'heure, on va dire, qui va consommer et qui va consommer du CPU sur mon truc ici, alors qu'au fait, sur tous les appareils où je l'utilise, vous voyez là, je l'ai l'heure, je l'ai déjà. Ça, c'est quelque chose qui est inutile. Il y a du code derrière qui permet d'afficher l'heure, donc qui permet de fermer la div, d'ouvrir la div, qui permet de gérer ça, on va dire, dans les widgets, alors qu'au fait, tout le monde a l'heure sur un périphérique qui permet d'afficher Brave. Ça, c'est une fonctionnalité qui est inutile en quelque sorte. Inutile parce qu'au fait, l'heure, on l'a forcément. Moi, je l'ai en bas à droite ici. Quand je suis sur un téléphone, j'ai forcément l'heure. C'est des trucs comme ça où on ne pense pas fonctionnalité, on pense pas aux besoins. Et on rajoute des choses parce qu'on dit que ça fait joli, on dit qu'au fait, c'est plus sympa et c'est en plus grand, mais au fait, c'est juste pas utile. Il faut qu'on revienne à penser à l'utilité de ce qu'on fait. Et ça, c'est pas natif parce qu'on même en tant que dev, c'est frustrant parce que on a envie de tester les nouveautés, on a envie de tester les nouveaux trucs qui sortent, on a envie de tester plein de choses, sauf qu'il y a plein de choses qui sont pas forcément utiles pour ce qu'on est en train de développer. Ouais, c'est ce qui fait que, ouais, bah, Mais c'est sans compter. comme tu le présentes, on a des logiciels qui deviennent de plus en plus compliqués et on va développer des vraies petites briques pour pas grand-chose, quoi. Ça fait joli, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas forcément très utile. Et le pire, c'est que ça rajoute de la complexité logicielle. Un logiciel qui est sobre, qui est plus simple, mais il n'y a pas toute cette complexité. Et ça tombe bien parce que la slide, c'est exactement ça, en disant que nos logiciels sont de plus en plus complexes. Ça, c'est un logiciel en Scala. Donc, c'est un gars qui a fait. Enfin, vous voyez, au fait, à chaque fois qu'il y a un truc bleu, il a fait une capture d'écran. Enfin, il a fait, je crois qu'il avait fait, je sais plus combien de captures d'écran, et il y a un niveau d'imbrication de plus de, je sais plus combien, je crois qu'il y avait plus de 200 niveaux d'imbrication sur ce logiciel, mais c'est phénoménal. On a des logiciels qui sont de plus en plus lourds, mais qui sont à la fois plus lourds, mais plus complexes à gérer, et quand on a des features qui sont pas utiles, ben tout ça rajoute de la complexité dans le code. Ça rajoute de la complexité qui est pas utile au développeur. Et un développeur qui arrive dans une boîte qui a des logiciels qui ont, comme le disait très bien le chat tout à l'heure, ben du code legacy, déjà c'est dur à gérer. Mais si on nous dit d'ajouter des fonctionnalités qui sont stupides, ben en fait ça va encore rajouter de la complexité et c'est encore plus dur de se mettre dedans. C'est plus dur de comprendre comment ça fonctionne. Alors que lorsqu'on est beaucoup plus sobre, lorsqu'on fait, on va dire qu'on comble réellement le besoin utilisateur, ben tout est plus simple. C'est plus simple parce que la qualité du code est optimale, il y a moins de bugs, vu qu'il y a moins de code, c'est logique. Il y a moins de coûts, parce que justement, un, il y a moins de bugs, il y a besoin de moins de développeurs, les développeurs peuvent faire des trucs plus intéressants. Il y a DDSI, qui est une SS2I, qui avait dit qu'au fait, 70% des projets qu'elle chiffrait, c'était du correctif de bugs, c'était de la dette technique. Sauf qu'un développeur, il n'a pas envie de faire de la dette technique, il a envie de s'éclater avec des nouvelles fonctionnalités qui sont plus chouette en quelque sorte. Passer sa vie à résoudre des bugs, ben c'est con quoi. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec tous les logiciels et la panoplie de logiciels qu'on est en train de créer. Ouais. On sent l'expérience là. Et ouais. Ouais. Mais c'est faut faire changer les choses, il faut juste être au courant. Si tout le monde est au courant et tout le monde voit l'intérêt, ben c'est beaucoup plus simple. Il y a des boîtes qui jouent le jeu et qui commencent à se rendre compte de ça et c'est intéressant. Et ouais, juste un dernier truc là-dessus, c'est vrai qu'il y a Microsoft qui avait dit qu'au fait, Word 2003 enfin, il y a cinq fonctionnalités de Microsoft Word qui totalisent à elles seules 32% de son utilisation. Donc il y a 32% des gens qui achètent Word pour utiliser cinq fonctionnalités. Donc imaginez Word juste avec cinq fonctionnalités, le poids qu'il ferait par rapport à tout ce qu'il y a actuellement. Ben, tout ça, c'est des choses où, enfin, je pense que c'est ce que tu me disais, Antoine, dans le chat, où on parlait justement de découper le code, découper de bugs le code justement avec des plugins, avec des bundles, ça aurait été une bonne idée. Si on a juste un Word justement qui est ultra léger avec cinq fonctionnalités, mais qu'ensuite on télécharge juste les packs de fonctionnalités qu'il nous faut, ben, ça réduirait drastiquement, on va dire, la charge mémoire du logiciel et le poids qui pèse aussi sur nos ordinateurs. Ouais. Bref, tout ça pour dire que les logiciels sont de plus en plus lourds. C'est ce qu'on appelle l'obésiciel, vous l'aurez compris. Les pages web sont plus lourdes, les documents Word sont de plus en plus lourds, et ça c'est vrai. Il faut savoir que
un document Word qui a été créé il y a 10 ans en arrière par rapport au même document Word sous point doc maintenant, en fait, pour la même fonctionnalité, ben, il est beaucoup plus lourd et il utilise plus de RAM. La suite Office, maintenant, utilise 114 fois plus de RAM qu'il y a 10 ans en arrière, alors qu'on fait les mêmes choses avec. Les applications sont de plus en plus lourdes. On a donc besoin à chaque fois de logiciels de périphériques de plus en plus puissants. Et c'est pour ça qu'on change le matériel à chaque fois. Alors que c'est ce que je disais, on est sur la Lune avec 72 kilo-octets RAM et stockage. Si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, il y a tous les codes sources qui sont sur GitHub. Si vous tapez Apollo GitHub, vous tomberez dessus. Bref, c'est un peu la mouise. On va pas se le cacher, le numérique, c'est vraiment pas écologique. Le numérique, c'est... Enfin, on y est aussi pour quelque chose et il faut se rendre compte que plus on est dans une boîte qui a de clients, plus on est dans une boîte qui a de personnes qui utilisent nos services, plus on est à même de réduire leurs impacts ou d'impacter les clients. Donc c'est aussi de notre faute si tout ça, ça se leur dit. Mais bon, on peut se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire? On a saisi les problématiques, mais une solution serait pas mal. Si on pouvait à la fois réduire notre empreinte écologique, rendre nos services plus sobres et moins énergivores, gagner en perf, donc ça c'est intéressant, en expérience utilisateur, l'UX, l'UI c'est quand même super super intéressant, ils ont un grand rôle à jouer là-dedans, mais on sait pas le sujet, et aussi des sous, parce que c'est toujours bien de gagner des sous. Du coup, on va parler d'éco-conception. L'éco-conception, il faut savoir que l'éco-conception numérique, ça nous intéresse, mais l'éco-conception de sens large, c'est pas que pour le numérique. On peut éco-concevoir un produit, donc on peut éco-concevoir une maison, on peut éco-concevoir un appareil électroménager, comme l'increvable par exemple, qui est garanti je ne sais plus combien d'années, ou les maisons basse énergie, ou même éco-concevoir des produits qui sont plus en harmonie avec la nature, tout ça, ça se fait. Mais ça se fait aussi, et nous, on va parler d'éco-conception numérique. L'éco-conception numérique, quand on en parle, on parle d'une autre norme ISO. Tout à l'heure, je vous ai présenté la 25010, maintenant, je vais parler de la 14062. C'est intégrer l'environnement dès la conception des produits et de nos services numériques. Ça, c'est intéressant, et cette norme, elle est super intéressante, parce que justement, elle permet de pouvoir éco-concevoir réellement nos services numériques. À partir de ça, on va se baser justement sur plusieurs normes et sur ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. La norme 14062 se base sur l'analyse de cycle de vie qui découle des normes 14040 et 14044. 14040, c'est les bases de l'analyse de cycle de vie. 14044, c'est vraiment les spécificités de l'analyse de cycle de vie. Tout ça, ça va permettre de... Une analyse de cycle de vie, ça va permettre d'analyser tout le cycle de vie du produit. Mais le cycle de vie, c'est quoi? C'est même avant sa création. Quelles sont les matières premières qui sont utilisées pour mon produit? Comment est-ce qu'elles sont extraites? Comment est-ce qu'on fait? La fabrication, quels sont les éléments et les matières premières que j'assemble? Le transport, comment est-ce que je le transporte? Est-ce que c'est un transport qui est plus éthique qu'un autre? Comment je le distribue? Comment est-ce que je l'utilise? L'usage aussi, c'est important. La fin de vie, comment est-ce que je recycle ça? Est-ce que c'est recyclable et comment je peux faire pour avoir un produit qui soit vraiment meilleur? Dans le numérique, c'est exactement pareil. On a des serveurs on a des serveurs et des services numériques, par exemple Infomaniac pour l'hébergement est quand même beaucoup plus green en quelque sorte que d'autres serveurs qui s'en foutent un peu. L'énergie provient de, on va dire, des ENR, et généralement c'est suisse, donc c'est plutôt les barrages hydrauliques qui fournissent de l'énergie. Donc c'est ça, je vais dire hydroalcoolique, mais je pense que c'est le Covid qui me... C'est juste le contexte qui veut, quoi. Non, mais ok, on comprend bien qu'il y a une vraie intégration, on va dire, de l'environnement dans le design à l'origine, en fait, du produit. Mmh. Là, c'est presque un boulot de designer qui peut agir avec la tech aussi. Mais c'est un boulot de designer. Le designer est vraiment très... c'est lui, généralement, qui va designer le produit et c'est très intéressant. Par contre, nous, derrière, le bac et tout le reste, c'est aussi à nous de faire le choix des serveurs sur lesquels on va. C'est à nous de faire le choix des produits qu'on va supporter et c'est à nous de faire le choix de tout ça aussi. Donc, c'est vraiment tout un ensemble et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment la collaboration qui fait qu'au fait, on va produire un produit qui est le plus éco-conçu possible. On me fait ouais. Un retour intéressant. Comment tu fais
avec tous les frameworks et les librairies là, qui sont proposées, qui permettent d'aller plus vite maintenant, pour avoir le courage quand même de te poser les bonnes questions, voilà, de ne pas tomber dans toutes les couches d'attrape, de pas, toi, te faire avoir, de vouloir aller trop vite et d'avoir le temps de réfléchir, quoi. Voilà, En fait, on tu peux pas dit. te faire avoir aussi. Le temps de réfléchir, tu l'as aussi quand tu as peut-être un peu plus d'expérience, mais quand tu penses aussi économique. Si tu veux toucher le plus de personnes, il faut aussi que tu touches les personnes qui sont sur du vieux matériel. Si tu touches des personnes qui sont juste sur du nouveau matériel, tu vas toucher un plus large panel directement, mais tu vas pas toucher les anciennes personnes. Donc économiquement, tu vas te brider sur une part de la population mondiale. Et c'est pareil avec l'accessibilité. Si ton Ouais, faut service, il est toucher au parfait, mais qu'il porte-monnaie, quoi. tourne, c'est ça. Faut aller toucher au Et ça, porte-monnaie. moi, généralement, moi, j'arrive vraiment, vraiment à le faire valoir. Ben, c'est con, hein, mais avec les sous. Les sous, mais en fait, quand t'as un service qui est très light, qui est très rapide, ben, Google le dit très bien. Hein. Si vous avez un service qui met plus de 3 secondes à s'afficher, ben, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un retour arrière et ils vont sur le lien d'après. Plus votre service est performant, plus, ben, en fait, ben, les gens vont l'utiliser. Donc, il y a aussi un effet rebond, c'est un peu dommage. Mais vous pouvez vraiment réduire drastiquement la charge pour essayer de faire que ben, votre service il sera peut-être tellement optimisé que même si vous faites un x8 en matière d'utilisateur, ben, ça comblera les failles et vous pourrez avoir plus d'accessibilité à tout le monde. Ce qui est intéressant avec l'accessibilité numérique, enfin, l'accessibilité, enfin, là, on va pas parler d'accessibilité, on va plutôt parler d'inclusion numérique. C'est que c'est une des promesses du numérique. Le numérique est censé être accessible au plus large éventail de personnes. Une personne qui est en Afrique, qui n'a pas la même connexion que nous, elle est censée pouvoir accéder à votre site web. C'est une des promesses du numérique. Tout le monde est censé y avoir accès. Sauf que si on pense juste, on va dire, à nous, mais en fait, on respecte pas ça. En quelque sorte, on est dev, mais on n'est pas dev parce que on pense pas à toutes les promesses du numérique et à tout le monde et c'est un peu dommage. Le numérique, il doit vraiment permettre à tout le monde et à tout un chacun de pouvoir accéder où qu'il soit, ben, à nos services, à nos applications et en rendant les applications plus sobres, ben, on rend les applications beaucoup moins énergivores, on se fait des sous parce que mine de rien, on paye moins de serveurs, on a moins de mugs, on a moins de choses comme ça, mais en plus, ben, on touche un plus large panel de personnes. Je sais pas si j'ai à peu près répondu à la question. Ah oui, c'est sûr. Non, mais j'ai pas dit qu'au fait qu'il fallait justement ne pas embarquer ce qui est essentiel. Si par exemple vous utilisez des bundles ou des services ou des frameworks qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite et de ne pas réinventer la roue, il faut le faire. Par contre, faut pas embarquer des choses qui font 10 fois le café. Si vous êtes sur un site internet que vous faites du Vanilla.js et qu'en plus vous avez un jQuery et en plus vous avez un Lodash, faut peut-être se poser la question parce que du Vanilla, vous arrivez très bien à tout faire avec. C'est 100 000 fois plus performant. Au fait, faut arrêter, on va dire, d'ajouter des surcouches sur nos logiciels et des bundles qui sont inutiles. Et je parle bien d'inutiles. Ajouter quelque chose qui est utile, ben, c'est moins sobre, c'est vrai, mais par contre, ça reste utile. Il faut bien faire tourner son service numérique. Alors je répète ma question parce que vu que du coup j'ai fait un petit raté en régie. C'est vrai que je posais la question à Romuald effectivement du temps de dev versus Ah oui. le temps de dev d'avant, le temps de dev d'aujourd'hui et comme disait le chat, on veut aller très vite et maintenant il n'y a plus de compréhension de qu'est-ce que c'est que réfléchir et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Yep, reviens ici. Yep. Ouais, bah du coup j'ai répondu, c'est bon. Ok. Tu peux continuer. Du coup, comment réduire l'empreinte de mon service numérique? Tout ça pour ça. Ben déjà, et ça c'est ce que je dis, et c'est ce que je viens juste d'expliquer en quelque sorte, c'est vraiment en dégraissant son service. Il y a énormément de choses sur les services numériques qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas essentielles, et il faut vraiment qu'on aille au plus sobre. Un utilisateur, enfin, qui va sur un service numérique, lui, il va peut-être se foutre des 3/4 des fonctionnalités que vous avez, lui, il va peut-être à l'essentiel. Donc, avoir des services, ou comme tout à l'heure, avoir, on va dire, l'heure sur un service numérique, c'est inutile, l'heure, il l'a déjà ailleurs.
Donc, il va pas aller voir ça. Il va aller à l'essentiel et il va aller vraiment ben, là où il a besoin d'aller. Si vous essayez de l'aiguiller autre part, ben, vous allez perdre cet utilisateur et ça se trouve même qu'il ne reviendra pas. Dégraisser son service numérique, ça a vraiment un plus gros intérêt. C'est là où vous aurez le plus gros impact. Parce que justement, c'est ce que je disais. Du dégraissage, ça vous permet d'avoir moins de bundles, sûrement moins de frameworks ou de librairies qui ne sont pas utiles ou pas utilisées ou trop peu utilisées. Avoir chargé une librairie, on va dire, qui fait 4 mégas alors qu'en fait vous utilisez juste une fonctionnalité de cette librairie, ben, ce n'est pas forcément super efficace. Par contre, charger une librairie qui fait 3 kilos, mais où vous allez utiliser la majorité des trucs parce que justement vous en avez l'utilité, là c'est utile, là c'est efficace et là c'est intéressant. Dégraisser son service numérique, c'est justement aussi augmenter la qualité logicielle parce que justement vous aurez beaucoup moins de code à maintenir. Et qui dit moins de code, moins de bugs, ben, plus de qualité et plus de temps à faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes que de faire du bug fixe. Rendre son site green, c'est assez simple. Réduire les dépendances, on en a parlé. Choisir un hébergeur vert, vous avez Infomaniac, vous en avez certains. Préférer un VPS si possible, bah, c'est vrai, ou utiliser une architecture cloud qui soit peut-être scalable. Encore, on n'a pas trop de données sur le cloud, c'est un peu dommage. HTTP2, ça rend énormément les choses plus simples parce que justement, on peut faire beaucoup plus de requêtes à la fois avec les sessions d'HTTP. HTTPS, par contre, c'est vraiment pas écolo, mais je vous conseille de mettre HTTPS partout. Faut arrêter avec l'HTTPS. HTTP2 comble, on va dire, les défaillances d'HTTPS, ben, justement, qui foutent tout. Mais par contre, faut pas se limiter en disant, mais en fait, moi, mon site est pas sécurisé parce que c'est plus écolo. Non, non, faut rester qualitatif. Qualitatif, c'est-à-dire sécurisé. Mettre en cache vos ressources, ça a vraiment un gros impact, surtout quand les gens reviennent souvent sur votre site internet. Optimiser la taille des images, évidemment, les vidéos, j'en parle même pas. Si vous faites du lazy loading, c'est encore mieux. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est le lazy loading, c'est le fait, maintenant c'est natif sous Chrome et Firefox, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est le fait que lorsque vous scrollez sur un site, avant, ben, toutes les images étaient chargées, et lorsque vous allez sur le site, toutes les images étaient chargées directement. Alors que ça se trouve, vous êtes juste en haut du site. Le lazy loading, il va charger dynamiquement les images. Donc, quand vous scrollez, en fait, il va télécharger les images au fur et à mesure. Donc, en matière de poids de page, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous chargez que ce qui apparaît à l'écran. Réduire le nombre de requêtes, bah évidemment, ça on l'a vu. Le nombre de requêtes, c'est aussi le nombre de JS qu'on télécharge, le nombre de CSS qu'on image, le nombre d'assets. Donc, les images font aussi partie des requêtes qu'on peut optimiser. Rendre son application green, c'est exactement à peu près pareil. Réduire les dépendances, les requêtes API, son impact sur le périphérique, ça on peut aussi en parler sur le web. Donc moins on a un impact sur le périphérique, mieux c'est, mais des fois mieux vaut avoir un petit impact que faire des requêtes à tire-larigot sur une API. Réduire l'activité en fond de tâche aussi et optimiser l'affichage de son application. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'au fait, le numérique et la façon de coder n'est pas équitable. Là, par exemple, vous avez, ah, j'ai pas mis le logo, c'est Green Spector, une startup nantaise qui fait, vous pouvez aller sur leur site pour tester vos applications mobiles. Ils font du test d'applications mobiles, du test énergétique. Donc là, ce qui est marrant, c'est que vous avez toutes les applications de transport en commun françaises, enfin une partie. Marseille, Toulouse, Nantes, Lyon, Paris derrière, Lille. Et vous voyez qu'au fait, ils ont fait exactement le même scénario. Donc ça comble exactement les mêmes besoins sur toutes les applications. Donc par exemple le lancement, l'horaire à un arrêt, le plan en centre-ville ou l'infotrafic. Ça, ce sont des besoins utilisateurs, des unités fonctionnelles. Et vous voyez que pour le même besoin, en fait, les applications consomment pas du tout pareil. On voit par exemple que l'application de Paris, elle est très très gourmande. Mais ensuite, certains vont pouvoir dire, mais en fait, oui, mais Paris a un réseau beaucoup plus gros que celui des autres. Donc, on peut prendre l'application de Lille. L'application de Lille est beaucoup plus énergivore que l'application de Lyon. Alors que, mine de rien, à Lyon, on a quand même plus de transports en commun qu'à Lille. Vous voyez que l'unité fonctionnelle est très différente. Et ça vient aussi du code que l'on fait. Donc plus on va être sobre, plus on va être optimisé, ben, moins on va avoir d'impact sur le périphérique et moins on va aussi dépenser de l'énergie. Faire évoluer ces versions, c'est aussi une bonne chose à faire, mais en pensant à l'obsolescence, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, PHP, on est en PHP 7.4, ça a énormément évolué de PHP 5 à PHP 7. Les gains, c'était du x2 entre PHP 5 et PHP 7. Donc juste en mettant une mise à jour logicielle, on gagne énormément en performance.
Donc PHP, c'était un truc de fou entre ces versions-là. Le .NET Core, c'est exactement pareil. Il y a des fois où sur certaines fonctionnalités, il était 123 fois plus performant juste avec une mise à jour. Mais là, justement, il faut aussi penser, ce que je dis, à l'obsolescence, parce que si vous vous mettez en .NET Core 2.2 et qu'au fait, ce .NET Core n'est pas valide sur les anciens matériels, vous allez brider ça et vous allez faire de l'obsolescence matérielle, logicielle, pardon. MySQL 8 aussi qui est sorti, qui est quand même 50 fois, 50% plus rapide que les autres versions de MySQL. Tout ça, il faut aussi penser aux mises à jour de version, qui sont des mises à jour généralement de sécurité, mais aussi de performance, tout en pensant à l'obsolescence. Il y a beaucoup d'exemples qui sont disponibles dans le bouquin que je vous ai présenté tout à l'heure, là, sur les 115 bonnes pratiques, et à la version 3 qui est en ligne. Si vous allez sur le site du collectif Conception numérique responsable, non, vous avez les règles, mais je crois de l'ancienne version, de la version 2. Il y a plein de trucs sur justement la conception fonctionnelle, donc éliminer les fonctionnalités non indispensables, donc parler de frugalité, de sobriété, on en a fait. Quantifier précisément le besoin, ça c'est ultra important et c'est vraiment la sobriété. Et c'est là où on peut vraiment inclure tout le monde. On peut inclure les devs, le produit et les graphistes. Les graphistes font du design, ils font aussi du parcours utilisateur. Et si on les met directement dans la boucle, en fait tout sera beaucoup plus simple à gérer, même pour nous en tant que dev. Il y a la conception graphique justement avec Codam. Enfin, et essayer de l'approche mobile first, épurer l'interface, donc toujours de la sobriété, préférer de la saisie assistée à de l'autocomplétion. Donc, histoire justement de limiter le trafic en matière de requêtes. Il y a plein de choses comme ça à faire que vous pouvez voir pareil. Favoriser les pages statiques, optimiser le code serveur, et Ouais, évidemment faire attention aux j'ai boucles. partagé une page de GreenIT là où ils ont créé des entrées de toutes ces règles-là là que je trouve bien faites. Ah, cool. Ça c'est vrai que c'est un petit bouquin. J'ai contribué à la troisième version. J'ai eu la chance de le faire, donc je l'ai fait. Et c'est vrai que je connaissais pas. J'ai découvert le livre avec la première version. Et c'est vrai que c'est plutôt cool de pouvoir faire ça. Et tout le monde peut contribuer, hein. On va peut-être sortir une version 4 un de ces jours. Donc si quelqu'un veut nous aider là-dessus, tout le monde est le bienvenu en rajoutant des règles et en pensant à tout ce qui pourrait améliorer les services numériques. Il y a aussi des outils pour mesurer son impact. Carbon Analyzer, c'est un outil du Chief Project qui permet de voir à peu près vite fait, c'est une estimation, hein, combien consomme votre application. Non, je crois que c'est une extension Firefox. Ils ont été malheureusement refusés sur Chrome actuellement, pardon. Ecometer, c'est pour voir l'avancement de son éco-design, la maturité en quelque sorte, avec des règles, si vous respectez certaines règles ou pas. Et ecoindex.fr que je vais vous présenter vite fait. Ecoindex.fr, actuellement il est en version 2 et il est très vieux. Par contre, on est en train de mettre à jour la version 3. Et si on check ça, c'est aussi un outil d'analyse statique. C'est ce que j'ai présenté en début de conf, je sais pas si vous vous en rappelez, où je présentais GTmetrix et tout le reste. C'est exactement le même principe. On fait une analyse statique et lui, il va ressortir des données justement par rapport au DOM, au poids de page, au poids des requêtes, au nombre de requêtes et à tout le reste, mais avec des analyses qui permettent justement d'expliquer de façon un peu plus écologique, avec des métriques qui sont un peu plus écolo, le poids et on va dire l'aspect environnemental du site. Donc, est-ce que tu vas pouvoir te dépêcher? Audit en cours. Yep. Je J'espère que profite tu vas un bien peu faire de ce ces truc. temps pour balancer tous tes liens sur le chat. Ouais, je partagerai les slides si vous voulez ensuite, histoire que tout le monde y ait accès et puisse retrouver les notes et tout le reste. Donc là, on a le résultat de l'équipe. On a un grade justement jusqu'à G, je crois. On voit que la place n'est pas très bien placée. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément, on va dire, la complexité de la page, bande passante, charge serveur. On l'a très bien sur d'autres outils. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce calcul-là qui a été validé par l'ADEME, donc qui est quand même pas mal au niveau énergétique en France. C'est l'empreinte en matière de GES, donc de gaz à effet de serre estimée de la page. Donc à chaque fois qu'on charge la home page de l'équipe, on consomme quand même 2,53 grammes d'équivalent CO2. Et l'empreinte en eau, c'est 3 centilitres 79. Donc ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Et ça, c'est des empreintes environnementales. C'est vraiment des métriques que vous pouvez voir. Mais en fait, si vous chargez 100 000 fois ou que vous avez 100 000 utilisateurs, déjà, ça fait des kilogrammes de CO2 et ça fait des litres d'eau. Donc c'est pas super. Bref, vous voyez évidemment que la page est trop complexe, que la bande passante, en fait, ça va à peu près, mais que la charge serveur aussi, il y a trop de requêtes.
Ça, c'est, ça fait partie des outils qu'on a justement pour l'éco-conception. Ce n'est pas des outils perf, c'est des outils éco-conceptuels. Donc avec un aspect beaucoup plus écologique que ceux que j'ai présentés tout à l'heure. Sobriété numérique, j'en ai déjà parlé aussi, c'est 80% des fonctionnalités demandées par l'utilisateur sont peu ou jamais demandées. Ça, c'est, je ne sais plus quel sondage par contre, parce que j'ai pas accès à mes notes, qui a expliqué ça. Il y a énormément de gens qui demandent des fonctionnalités, sauf qu'ils s'en servent pas. Donc, aller vraiment à l'essentiel, c'est ce que je vous disais. Bing a réduit sa charge serveur jusqu'à 80% en réduisant de 20% le nombre d'éléments de sa page de recherche. Ça, c'est super intéressant. Parce que justement, c'est, enfin, on en a déjà parlé, Ouais, c'est ce que tu nous racontais, ouais. C'est un argument économique aussi. C'est à la fois écologique, mais c'est aussi économique, et on voit que les deux sont aussi liés l'un et l'autre. Et 70% du coût d'un logiciel est constitué par sa dette technique. Et ça, c'est très bon d'avoir cette statistique-là en disant que la dette technique, il faut vraiment, quand on peut, essayer de s'en passer. Et la réduire, c'est vraiment une bonne chose. Bref, on peut voir plein de choses sur l'utilité numérique, justement, en disant que le numérique n'est pas forcément utile partout. Le numérique est un outil, on en a besoin, il comble des trucs, mais enfin, il comble énormément de choses et il fait des choses vachement mieux que nous sur plein de points. Par contre, il n'est pas forcément utile dans tous les domaines. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le projet CADOG, c'est la détection de cancer via des chiens, tout simplement des chiens. Et c'est l'Institut Curie qui a réussi à faire ça. Et actuellement, le taux de performance de détection de cancer via l'Institut CADOG avec des chiens est plus performant que tout ce qu'on fait actuellement avec les meilleures IA qui existent en matière de médecine. Donc, vous voyez, là, juste un chien peut faire beaucoup mieux que les meilleures IA qu'on a actuellement sur le numérique. C'est pour ça qu'il faut vraiment se remettre en question sur l'utilité numérique. Où est-ce qu'est bien le numérique? Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire ailleurs? Ou réellement se questionner sur le besoin qu'on a du numérique. Arrêtez d'en mettre partout, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut du numérique. Le numérique, moi, je suis un très gros consommateur de numérique, mais par contre, il n'est pas utile partout. Et c'est exactement ce que tu disais, Antoine. Et la sobriété mène à la performance. On a un très bon exemple assez récent de Conga. Conga, au fait, non, je pense pas que vous connaissiez, c'est le Cdiscount nigérien. Et au fait, ils ont changé toute leur architecture. Vous avez version 1 à gauche et version 2 à droite. Et tout ça avec un design plus sobre, avec des fonctionnalités, on va dire, plus sobres, ils ont eu un énorme gain de performance. On va dire, vous voyez, ça, c'est les pages, c'est les grades géométriques que je vous ai présentés tout à l'heure. Avec PageSpeed, Wayslow, ils ont quand même gagné. Vous voyez qu'en temps de PageSlow Time, ils sont passés de 5,5 secondes à 1,5 secondes. En temps de total poids de page, ils sont passés de quasiment 2 mégas à 140 kilobits. Et en termes de requêtes, ils ont passé de 151 à 9. Et tout ça, justement, ils ont quand même plus d'utilisateurs maintenant, parce que justement, l'application est beaucoup plus rapide et elle est beaucoup plus utilisable par un nombre de personnes qui n'avaient pas le débit adapté à avoir une application si gourmande comme ils avaient avant. Ils ont quand même 92% de data chargée en moins que l'application précédente après le premier chargement et 82% de data en moins jusqu'à la première transaction, donc après le premier achat. Tout ça, c'est aussi des arguments économiques. C'est écologique parce que justement, ils saturent beaucoup moins le réseau, ils saturent beaucoup moins le périphérique utilisateur aussi. Ils sont beaucoup plus performants, mais ça se voit aussi, ben justement, dans les chiffres de la performance et ils s'y retrouvent aussi économiquement parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs qui peuvent utiliser l'application maintenant qu'elle est sobre qu'avant quand elle était beaucoup trop complexe. Ouais, dès que tu tapes au Bref. portefeuille, ça marche mieux, quoi. Hein. Ah oui, totalement, ça c'est sûr. Et ce qui est bien, c'est que tout ça améliore aussi la qualité logicielle. Et c'est toi qui es plutôt dans le design, Antoine, tu vois très bien, enfin tu vois très bien la version 1, version 2. Inclure un designer, c'est utile et c'est intéressant. Et tu vois qu'en fait, le parcours utilisateur peut être tout à fait repensé grâce à l'association justement des designers et des développeurs. L'un va pas sans l'autre. Bref. Ensuite, on a parlé beaucoup d'éco-conception et moi, j'aime beaucoup, on va dire, le numérique responsable. Donc, si vous voulez rendre en plus le numérique meilleur, en quelque sorte, vous pouvez agir pour un numérique responsable au sens large. C'est-à-dire, greenIT.fr, en fait, il y a le numérique éco-conçu. Donc, c'est ce qu'on a fait et j'en ai parlé tout au long de la presse ce soir. UpQuest fait aussi de la qualité logicielle. Donc, c'est
plus tout ce qui est numérique accessible et qualitatif. Vous pouvez vous renseigner là-dessus. Les deux font passer des certifications, hein, et Opcost a eu aussi une certification de qualité logicielle. Franchement, ils ont un bouquin qui est super épais, que je ne sais plus si je l'ai. Non, il doit être sur mon chevet. Désolé. Non, il y a un bouquin qui est vraiment super épais, mais qui est vraiment très intéressant, qui parle de qualité logicielle et qui parle des bonnes pratiques justement à mettre en place pour que le numérique soit plus accessible et plus qualitatif. Et ensuite, il faut aussi un numérique plus éthique. Donc peut-être en repensant le numérique, en récupérant moins de données ou des données qui sont plus pertinentes et pas des données n'importe comment. Le RGPD essaye de mettre ça en place, mais ça a beaucoup de failles encore. Parce que, mine de rien, le seul truc qui a changé avec le RGPD, on récupère pas moins de données. C'est juste que maintenant, en fait, on a niqué tout l'UX des sites internet, justement en affichant un mandat que tout le monde clique. Enfin, 90% des personnes cliquent sur OK et les données sont quand même récupérées. Bref, plus d'infos, vous avez les bouquins que j'ai présentés. Le bouquin des 140 bonnes pratiques du collectif. Et créé par Frédéric Bordage, évidemment. Sobriété numérique de Frédéric Bordage, c'est un livre qui date de l'année dernière, qui explique vraiment tous ces indicateurs clés et comment rendre le numérique un peu plus sobre. Il est vraiment très intéressant. Pour info, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, Frédéric Bordage, c'est la personne qui est à l'origine de GreenIT.fr. Lui, il parle de ça depuis plus de 15 ans. Donc, c'est pas un sujet qui est nouveau, c'est un sujet qui fait fureur actuellement parce que justement, on s'est rendu compte que tout le monde était confiné, que l'accès à Internet était délicat, que des logiciels étaient mal codés, que maintenant, il y a des trucs qui ramaient. Sauf que ça fait plus de 15 ans que ça existe, ça fait plus de 15 ans qu'il en parle et c'est un sujet qui est ancien, mais par contre, qui devrait être traité maintenant. Il faut juste qu'on en parle, qu'on diffuse ça et qu'on y aille, quoi. Donc, il y a legreenit.fr, Conception numérique responsable, The Shift Project, qui fait aussi pas mal de choses sur le sujet. Il y a l'INR, l'Institut du numérique responsable, qui a sorti un label, le Label numérique responsable, pour permettre au numérique d'être un peu plus sobre et plus responsable. Si vous voulez encore plus d'infos, il y a des bouquins très intéressants qui m'ont permis de plus comprendre toutes ces problématiques. Il y a La guerre des miroirs de Guillaume Pitron, qui est vraiment exceptionnel, qui explique, pourquoi on est dans la merde en matière de métaux, en quelque sorte, pourquoi la Chine a tout, et c'est un très bon bouquin. Il y a La sixième extinction, qui est plus un bouquin écologique là-dessus, c'est moins numérique et moins extinction de métaux, enfin, quoi qu'ils en parlent aussi. Il a eu le prix Pulitzer il y a quelques années, c'est un très bon bouquin. Et il y a Le bug humain, que je conseille énormément, parce qu'en fait, il explique pourquoi, c'est exactement le titre, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'empêcher. Donc, pourquoi est-ce qu'on consomme du numérique et pourquoi on aime ça? Pourquoi est-ce qu'en fait on a des injections de dopamine à chaque fois qu'on reçoit un like sur Facebook ou Twitter en disant, c'est bien, il faut que tu continues. C'est vraiment des bons bouquins. Bref, n'oubliez pas de prolonger la durée de vie de vos appareils. Vraiment, c'est là où vous aurez le plus d'impact que de supprimer 3 mails tous les 15 jours. Et n'oublie pas non plus que tout le monde a le pouvoir de changer les choses et que toutes les petites actions aussi ont une importance. Bref, juste faites-le et restez chez vous. Merci. Bon, super, super. Je vois que c'était bien dense, complet. Je me suis fait un plaisir de balancer un peu tous les liens des services et de tous les sites que tu citais. On a fait un sacré tour. J'ai essayé de faire remonter un peu les interrogations du chat. Donc, merci pour tout ce temps. Je sais pas. De rien. On va attendre que le stream monte un peu pour voir si j'ai des questions dans le chat. Peut-être que tu pourrais éclairer. Ah oui, il n'y a pas de souci. Et effectivement, j'ai Julien là qui s'exclame, qui dit que tu as été fourvoyeur en ressources entre les sites, les bouquins, les services, les outils. Je pense que là on a de quoi vraiment potasser, s'éclater, profiter de ce confinement, peut-être pour se former là-dessus. C'est vrai que c'est intéressant. Il y a pas mal de ressources qui sont gratuites aussi et qui sont accessibles et qui nous permettent. Enfin, moi, j'ai été étudiant aussi. On l'a tous été, quoi. Et je connaissais pas ces problématiques. Et c'est personnellement où j'ai découvert ces problématiques
Bah, personnellement, je me suis mis à être, on va dire, j'essaye de faire du zéro déchet, j'essaye d'avoir une alimentation qui soit un peu plus saine et un peu plus flexitarienne, donc beaucoup moins de viande qu'avant. Et un jour, je me suis dit, mais moi, en tant que professionnel numérique, mais qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où j'avais découvert, bah, en fait, le collectif conception numérique responsable, le Green IT, et je me dis, mais au fait, je suis stupide, jamais j'ai entendu parler de ça, et pourquoi? Et du coup, en fait, c'est juste ça, c'est juste que tant qu'on n'en a pas entendu parler, on ne peut pas savoir tout ça, on n'est pas. Ouais, on n'est pas au On n'est courant, pas formé à ça. donc c'est bien que tu prennes la C'est parole un ça. peu pour expliciter tout ça. Ouais, c'est vrai que ben, c'est comment dire, un sujet qui touche aussi beaucoup un monde que je connais, qui est celui du design, mais au niveau de la tech, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je pense Ah qu'il oui. faut que tout le monde réfléchisse un peu en ce sens et tente d'améliorer un Je peu suis les d'accord. choses. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à améliorer. Il y a, enfin, le numérique, on peut, enfin. C'est stupide de dire le numérique va détruire la planète ou le numérique va nous sauver. Le numérique est un outil, on en fait ce qu'on veut, mais il faut qu'on l'utilise et qu'on crée du numérique qui soit vraiment beaucoup plus sobre et beaucoup plus en adéquation avec la planète. C'est le truc qui manque actuellement et ce que j'ai pas dit, et c'est vrai que c'est une slide qui manque dans la conf. Pourtant, j'ai essayé T'as d'en déjà parler été bien beaucoup. complet, je trouve, hein. Ouais. Merci. C'est ce que j'ai pas Bien dit, c'est qu'au fourni. fait, actuellement, il y a que 50% de la planète qui a accès au numérique. On a des problèmes éthiques d'accessibilité, on a des problèmes d'énergie, on a des problèmes de ressources, alors qu'au fait, la moitié du monde n'est pas encore connectée. Le numérique progresse, on a de plus en plus d'objets connectés par personne, on a de plus en plus de personnes qui sont connectées, et ça, c'est plutôt bien, parce que mine de rien, le numérique est un super outil, il faut que tout le monde puisse en profiter. Mais par contre, le truc, c'est qu'on a déjà ces problématiques-là, alors que la moitié du monde n'est pas connectée. Et ça fait un peu peur aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment que maintenant on s'y mette et qu'on se pose les bonnes questions, qu'on essaye de produire des services qui sont qualitatifs, qui soient éco-conçus, qui soient accessibles et efficients et inclusifs. Et c'est pas simple, hein, parce qu'il y a beaucoup de concepts à essayer de comprendre, à essayer d'apprendre, mais c'est super intéressant parce qu'ensuite, on se dit juste qu'on a fait sa part, quoi. Ouais, et c'est un peu, je pense, le sujet, quoi. C'est on peut faire notre part au niveau perso, mais aussi au niveau pro. Peut-être Exactement. qu'on pourra conclure sur ouais, cette injonction à essayer bah, de s'y mettre, hein, doucement, parce qu'on peut agir en tant que professionnel du numérique à ce niveau-là, je pense. Ouais, totalement. Bon, je vois que j'ai pas forcément plus de questions que ça qui remontent dans le chat, donc tu nous as déjà donné quasiment 2 heures de ton temps. Je vais te remercier chaudement pour tout ça. Pas de Bah, souci. j'inviterai les gens, je vois que tu nous laisses un arrobase, voilà, pour te contacter. J'imagine Ah oui, qu'on sur peut Twitter. t'écrire Ouais, sur Twitter. c'est vrai que Voilà. je. Non, c'est bon, je suis assez actif sur le sujet et j'essaie de partager bah, des choses sur tous les sujets un peu plus éco et numériques. Voilà, donc j'inviterai les gens bah, peut-être à te suivre voilà, sur les différents réseaux sur lesquels tu es actif et pourquoi pas interagir avec toi s'ils ont des questions. Non, Je il n'y a pas de souci. vais, je vais, je vais fermer là-dessus. Je te remercie chaudement parce qu'on va aller profiter un peu de notre soirée. On va Ah, il conseiller faut. à tout le monde bah, de prendre soin d'eux, de faire attention en cette période de Oui. confinement. Et puis bah, j'espère qu'on se reverra vite pour trinquer autour d'une bière et Oh oui, voilà, mais plusieurs, il y en et faut rattraper un peu ce printemps que nous ratons. Voilà. un. Ouais. Bah, merci Alors, merci en beaucoup, tout cas. Romuald. Et puis Merci aussi et bah, prenez soin de vous, c'est super important. Prenez soin des autres aussi, parce qu'il faut aussi penser aux autres qui sont pas forcément dans une situation idéale comme certains peuvent l'être. Et merci pour le temps et bon courage pour toutes les informations que je vous ai données. allez, merci à tous. Ciao, ciao.